Salut à tous et bienvenue dans l'Accent eSport. J'espère que vous vous êtes régalé les yeux avec cette petite vidéo sur Volibear qui vient de sortir dans la semaine et on s'est dit qu'on allait commencer le live par vous la montrer parce qu'elle était vachement cool. Effectivement, elle est plutôt très cool et puis surtout qu'on va vous parler de Volibear hein, qui a eu un rework récemment et du coup qui sera sorti au patch 10.11 de League of Legends. On va faire un petit brief hein, sur ce qui nous attend pour le live de ce soir. Action eSport, bien sûr, vous connaissez Talk Show sur les news de l'eSport de la semaine. Donc, n'hésitez pas à réagir à tout ça en commentaire. On a le chat sur les yeux, on peut discuter avec vous. Donc, on va déjà discuter du patch 10.10 et de l'arrivée des nouveaux skins Pulse Fire. Alors, on en a déjà parlé dans le live précédent, donc ça ira plutôt très vite. Ensuite, on va passer un peu plus de temps du coup sur les stats et les sorts du nouveau Volibear hein, qui sortira lui par contre au 10.11, mais c'est déjà jouable ce nouveau Volibear sur le PBE. Ensuite, on fera un petit retour sur les tournois Runeterra. Il y en a eu un le week-end dernier, il y en a un autre à venir, donc on fera un petit point là-dessus. Le Twitch Rivals justement hein, qui est lié à ça directement. Il y a la note de patch également 10.10 de Teamfight Tactics. Et on a ensuite un petit point sur le Mercato LOL. On a voilà Kikis qui est sur le marché. Voilà, on pourra y revenir encore un peu plus tard. Exactement. Là, on a fait déjà 3 des jeux. Il en reste un des jeux de Riot Games, c'est Valorant. Valorant, il y a eu quelques tricheurs qui ont été repérés. Donc voilà, il y a eu un petit tweet du designer du système anti-triche de League of Legends qui a fait un petit tweet très sympa, on vous le passera. Et en fin de news, donc vers 19h30, on passera sur l'annonce récente de la LPL qui va bientôt reprendre. Après la pause, on aura du coup notre chroniqueur Walk qui fera son apparition pour nous parler du Fighting Games Community un petit peu pendant le confinement, comment ça s'est passé. Et en fin d'émission, à peu près vers 20h, on recevra Kiki, le coach des TPAA, donc une équipe qui évolue en Division 2 de League of Legends, qui est actuellement deuxième hein, du classement. Et il viendra répondre à nos questions, on en a pas mal pour lui, pour le plan et le planning de cette soirée. Et paraît-il que du coup, on va commencer par du League of Legends. Et il me semble qu'on a pas mal de patchs à aller voir cette semaine. Ça patch très fort du côté de Riot Games. Et on a le patch 10.10 de LoL qui vient de sortir. Et notamment avec l'arrivée d'un nouveau skin Prestige et de la série des Pulse Fire qui fait son retour. Ezreal n'est plus seul, mon cher Aureus. Ah, Ezreal n'est plus seul, il y avait Riven déjà qui était sorti, Shen également, maintenant il y aura Echo, Fiora, Panthéon, Lucian et Lucian Pulseur édition Prestige, donc les skins sont plutôt cool. Un petit peu étonné que Echo en ait un aussi rapidement, hein. Son dernier skin c'était le skin True Damage du coup qui est sorti pour la finale des Worlds, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça mine de rien. Et du coup vous avez hein, bien sûr sur l'asset un petit peu les buffs et les nerfs également. Donc, buff de Annie, Irelia, Lux, Nidalee, Sivir, Soraka, Twisted Fate et Udyr. Nerf de Diana, Katarina, Kayn, Miss Fortune, Kled, Maokai et Taric. On en a déjà parlé hein, la semaine dernière. Ouais, on en a déjà parlé un petit peu de la semaine dernière de tous ces changements, donc on va pas trop s'attarder. Mais juste par rapport à Annie, il y a eu des petites modifications entre-temps. Avant, les dégâts de son T-Burst étaient doublés dans les attentes du patch 10.10. Donc ça passait de 10 à 20, ça passait de 20 à 40, les dégâts de zone du T-Burst, avec un ratio d'AP qui passait de 10% à 20%. Ils ont réduit le ratio, il passe de 10% à 12%, mais les dégâts de base de l'aura T-Burst sont quand même doublés, donc petite machine arrière de ce côté-là, côté Riot. Mais sinon, globalement, tout est resté à peu près pareil, mais c'était vraiment le changement notable par rapport à la semaine dernière. Si vous vous demandez un petit peu ce qu'on a pensé du patch, n'hésitez pas à aller voir du coup le replay hein, de la semaine dernière qui est disponible sur notre YouTube Cast and Play. Et dites-vous que vous avez des patchs assez régulièrement. Le mieux, ça reste d'aller les lire. Ils sont très complets sur la chaîne, sur le site de LoL France. Ils vous font des reviews en général. Ils vous expliquent tout ce qui se passe dans le launcher in-game. Et moi, j'ai une petite question pour vous dans le chat. Qui va dépenser ses points de prestige pour Lucian? Parce que, pour une fois, le skin me plaît vraiment. Et les skins prestige, j'étais un peu dubitatif jusqu'à présent. C'était surtout du gold pour du gold pour du gold. Mais là, avec l'armure, ça passe bien, je trouve. Ouais, il est plutôt cool, le skin, effectivement. Hein. Si vous comptez l'acheter, ça m'intéresse, effectivement. Les autres étaient un petit peu moins hype. C'était un petit peu toujours la même chose. Mais
mais celui-ci a l'air, comme je te rejoins complètement, plutôt très sympa. Personnellement, je garderai mes points pour un Prestige Shaco de mon côté. On peut comprendre nos TP Shaco présents ici à ma gauche, ou à ma gauche, sur l'écran justement. Et qui dit nouveau page dit nouveau PBE, le 10.11. Et là, on va parler de Volibear. Mon cher Aureus, la tempête se déchaîne. On a un event in-game en Aram, mais ce n'est pas tout. Ouais, donc Volibear, hein, on a tout hein, qui a été révélé, ses stats, ses compétences, les ratios, les cooldowns, les coups de mana, tout a été plus ou moins révélé. D'ailleurs, l'article est disponible sur le site des A, il a été rédigé par un chroniqueur que vous connaissez bien, hein, qui est Tips Alevo, et qui nous a du coup gratifié d'avoir tout ça à disposition pour ce soir. Donc bon, niveau PV de base, il en aura 580 points de vie, par level, 9 PV de régénération toutes les 5 secondes, 350 points de mana, 40 points de mana par level. Bon, tout ça, c'est globalement du classique. Un petit peu étonné, hein, si on fait le calcul, il arrive même pas à 2100 HP au niveau 18 de base. Ce qui est pour un tank. C'est ça, pour un gros ours comme Volibear, on pouvait s'attendre à plus. Hein, bah, Shaco a plus de base, voilà. Donc... ouais, je connais bien les stats de Shaco. Et du coup... Il en a plus, exactement 367,5 points de vie. Non, il doit être à 3150, quelque chose comme ça, au niveau 18. t'as l'air surpris. Oui. 2000, j'ai dit quoi? 2150. T'as dit 3000. Non, 2150. ouais, carrément. Ah, je pense donc, qu'il en aurait autant, je jouerais un petit peu différemment. Donc, Aureus, vous modifiez les stats d'un champion en live. C'est fantastique. La nouvelle. Bon, en tout cas, des nouvelles compétences. On peut peut-être revenir dessus rapidement sur ce que font ces compétences. Les chiffres, on verra de toute manière. Ils seront modifiés day one pendant le PBE, avec le PBE. Oui, il y a des chances. Il y a clairement des chances. Du coup, son ancienne ultime hein, qui balançait des éclairs est plus ou moins transférée à son passif. Hein, maintenant, Volibear gagne 3% de vitesse d'attaque dès qu'il inflige des dégâts. Ça se cumule jusqu'à 5 fois, donc ça monte jusqu'à 15% de vitesse d'attaque. Et au bout de 5 charges, ses griffes se chargent d'électricité pour infliger de 10 à 60 points de dégâts magiques aux 5 ennemis les plus proches sur ses attaques de base. Et c'est un ratio de 40% d'AP, ce qui est énorme. Et pour maintenir l'effet, voilà, faut attaquer dans les 6 secondes qui suivent, tout simplement, pour garder les stacks. Donc un passif qui est plutôt très efficace et qui va permettre de clear très très rapidement les camps de jungle où il y a plusieurs monstres, parce que en général, on met bien plus que 5 auto-attaques sur les camps. Exactement, le Z ensuite, le Q-spell pardon, qui lui est un stun et une sorte de projection, permet d'aller plus vite. Le Z qui en substance reste le même sans le passif de vitesse d'attaque, puisqu'on va aller chercher une première auto, puis une deuxième activation qui fait plus mal si on est déjà marqué. Et là où ça devient très rigolo, moi cher Aureus, c'est sur le E et sur le R. Dis-nous en plus. Ouais, le E et le R, un petit peu plus sympa. Donc le E maintenant, c'est Volibear qui fait tomber la foudre, tout simplement. Donc 15 secondes de CD, tout simplement, 60 points de mana, ça ne bouge pas avec les levels. Et du coup, après un délai, Volibear invoque un éclair qui frappe devant lui. La range est globalement OK. Ça inflige de 60 à 180 points de dégâts. Et il y a un ratio AP et un ratio par rapport au PV max de la cible. Les ennemis touchés sont ralentis. Et si Volibear est dans la zone de l'éclair, il gagne un bouclier qui est équivalent à 15% de sa vie max plus 80% d'AP. C'est démentiel. Alors, d'ailleurs, tous les ratios sur tous ces sorts sont démentiels, je trouve. Ouais, il doit être fait pour stacker des points de vie, et donc on lui met des forts ratios pour que ça compense sur les quelques stats qu'il va aller chercher. Un couperet noir, ce genre de choses-là qui peuvent être intéressants sur ce genre de champion qui attaque vite. Et son R, qui lui est littéralement le dénominateur, qui revient dans un kit de champion et non pas dans un item. Volibear qui saute dans une zone un peu à la manière de Seth, sauf que quand il atterrit, au lieu de ralentir pendant très longtemps tout le monde en faisant masse de dégâts, il va choquer les tourelles. L'électricité désactive les tourelles pendant un petit instant, et ça n'est ni plus ni moins que le dénominateur sur un champion. Et ça fait plaisir de le voir arriver dans un kit. C'est très bien pensé, je trouve, comme mécanique. Donc il aura des options de dive hein, très facilitées, du coup, avec son ultime, bien sûr. C'est d'ailleurs plus fort, hein, on pourrait penser, bien sûr, que Volibear va évoluer
logiquement dans la jungle. Ça me fait penser un petit peu à une hélice qui peut très tôt aller dive avec sa suspension, son cocon, etc. Elle a beaucoup d'outils pour ça. Là, c'est vraiment next level. T'attends le niveau 6, mais derrière, t'as rien à craindre. Tout simplement, tu demandes à ta lane de prendre la pression et tu vas dive salement avec le Starbringer. Et ça fait plutôt mal, hein, de 250 à 700 points de dégâts, 250% de son AD de base et 150% d'AP en dégâts physiques, et les ennemis à proximité subissent un ralentissement de 50% qui s'estompe au bout de une seconde. Ça fait les mêmes dégâts de toute manière autour elle, en plus de le désactiver, et en plus Volibear, et ben au moment où il se jette dans la mêlée avec son team, il gagne de 200 à 600 points de vie supplémentaire et a des auto-attaques qui gagnent en range, plus 50 de range pour ces auto-attaques, tout simplement, donc c'est ultra puissant. Bon, faut savoir une chose, c'est que là, on vient de vous donner tout le kit du roi de la montagne sur Warcraft 3 en un sort. Ouais, ouais. Il y a un dash en plus, que le roi de la montagne n'avait pas. Enfin, c'était compensé par un coup de marteau, mais bon, c'est... Il l'a dans HOTS. Il l'a dans HOTS, bah, faut dire, les nains, c'est très important. En tout cas, un nouveau champion qui a l'air de partir plutôt vers l'option d'être un tank initiateur. On voit dans son kit... comme on nous l'avait prédit sur Twitter, il me semble, on nous avait dit, vous verrez, pour que le champion reste à jour vis-à-vis de tout ce qui se fait à l'heure actuelle, il faudra qu'il ait au moins 2 dash. Check. Une invisibilité ou des points de vie en plus, check. Des moyens de faire des dégâts supplémentaires de manière scandaleuse, je pense que ce perso est scandaleux. Mais en soi, le kit est intéressant. Rajouter des nominateurs, ça c'est vraiment une option que j'apprécie et que j'aime beaucoup. En tout cas, ça c'était pour Volibear, mes chers amis, ou Volibear, selon comment vous le prononcez. On va aller ensuite changer de jeu. Les ours, les peluches, c'est pas mal, mais il me semble que du côté de Legends of Runeterra, ça bouge, mon cher Aureus, et ça bouge au niveau des tournois. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le cooldown Runeterra ? Ouais, clairement, j'ai eu l'occasion de caster samedi dernier un tournoi de Runeterra, donc c'était la cooldown cup, en fait c'était un golden ticket, c'était sur 9 semaines, du coup les 8 semaines c'était les qualifications, et chaque gagnant d'une étape remportait son ticket pour participer à la grande finale, donc il y a eu 8 étapes comme celle-ci, il y a eu du coup 8 personnes hein, qui ont remporté leur qualification à la finale, la finale c'était samedi dernier, et c'était très sympa. J'étais d'ailleurs avec Taitu, qui est master hein, sur Runeterra, qui a casté avec moi, et également Guardian. Les deux sont et font partie d'un site de coaching d'ailleurs sur Runeterra. J'ai plus le nom en tête, mais en tout cas, c'était très sympa de casser avec eux cette compétition qui a commencé à 21h à peu près, qui s'est finie vers 3-4h du matin. Ouais. C'est ça. Et c'était vraiment, vraiment cool. J'ai appris plein de choses d'ailleurs en castant avec eux. Ils avaient un peu moins d'XP que moi en cast. J'avais un petit peu moins d'XP qu'eux dans le jeu. Du coup, ça a créé des duos qui était plutôt très sympa, et on vous a également mis de côté les decks des deux finalistes qui sont du coup allés au bout du tournoi. Donc il y avait Flaxo et Owi. Flaxo qui a joué 3 decks Demacia avec des petites variantes, une variante avec Hills of Cure, une variante avec Bilgewater et une variante avec Piltover également. On retrouve les nouveaux champions comme Twisted Fate et comme Vi qui ont fait le travail. Et ce qui est marrant dans le tournoi, c'est que Owi et Flaxo s'étaient rencontrés dans le winner bracket, Flaxo avait gagné 2-0 contre Owi. Owi qui avait banni le deck numéro 2 de Flaxo, et ils se sont retrouvés après le loser bracket. Owi, il est remonté jusqu'à la grande finale, il a gagné 2 fois la grande finale puisque lui Flaxo n'avait jamais perdu, donc il a fallu qu'il prenne les deux manches, d'où le fait que ça prenne du temps. C'est ça, c'est d'où le fait que ça prenne du temps. Il y a eu d'autres petits aléas, mais bon, je ne vais pas revenir dessus. Et la deuxième stratégie de Owi a payé puisqu'il a banni son deck Bilgewater Demacia qui était très puissant finalement. Et il a réussi à chaque fois à prendre le meilleur. Alors, l'idée, c'était, tu bannis un des decks de l'adversaire et il faut valider les deux autres derrière. Donc, il faut faire une victoire avec chaque. Intéressant. Donc, voilà pour les decks de Flaxo. Et les decks de Owi étaient un petit peu différents. Il y avait deux decks Demacia très, très prononcés. Un mono Demacia et un Demacia avec une vaille hein, qui traînait pour avoir une option un petit peu plus agressive. Et son deck numéro 1, c'était un Ezreal Karma qui a tout le temps été ban, tout simplement, du tournoi,
Il n'a pas pu le sortir, à mon grand regret, j'aurais bien aimé le voir évoluer. Mais en tout cas, c'était un deck plutôt axé exaltation ou juste full spell, le deck Karma Ezreal? Alors c'est full spell, tu contrôles, ouais. Et puis derrière, dès que tu arrives à l'exaltation, effectivement, Karma qui te permet de spam énormément, surtout avec les shumps qui te permettent d'avoir beaucoup de champignons. En fait, tu déclenches 10 champignons au lieu de 5 et en fait, tu peux avoir des combos assez... assez fou grâce à ce deck et ça a fait peur aux joueurs clairement puisque ils lui ont pas laissé l'opportunité de le jouer tout simplement. Donc voilà, donc il y a des tournois qui sont un petit peu en cours et qui voilà, il y a la SNFR qui est très active sur le jeu et ça fait très plaisir. D'ailleurs si Guardian et Taito sont sur le chat, je leur fais une bise et c'était très sympa les gars. En tout cas, ça avait l'air, je dois avouer, que je ne suis pas resté debout aussi longtemps que ça ce soir-là. Ah bon ? Ah oui, malheureusement, la science m'appelle. Mais du côté de Twitch, on ne dort jamais. C'est un empire mondial qui a décidé de lancer son propre tournoi Legends of Runeterra, un peu à la manière des Twitch Rivals, mon cher Aureus. Ouais, les Twitch Rivals qui vont revenir. Et du coup, il y a un tournoi à Legends of Runeterra qui va avoir lieu. Ça s'appelle le Legends of Runeterra Showdown, tout simplement. Donc, ce sera demain à partir de 18h heure française. Ce sera online. C'est un format général en round suisse, tout simplement. Donc, BO3+, playoff. Il y aura 16 joueurs, 3 decks par joueur. Chaque partie d'une rencontre doit être jouée avec un deck différent, 50 minutes par match. Donc c'est en phase suisse, comme je l'ai dit, chaque joueur sera opposé à un adversaire qui a fait le même nombre de victoires et de défaites que lui. Le top 8 de la round suisse se qualifie pour le upper bracket, le winner bracket, et ensuite il y a un bottom 8 qui arrive dans un lower bracket. Ce sera sur la chaîne Twitch Rivals, et en cash price tout de même 100 000 $. C'est pas mal. Alors, ça paraît cohérent aussi avec l'objectif de ce genre d'événement. On rappelle que les Twitch Rivals, ce n'est pas un tournoi compétitif. C'est un tournoi d'e-sportainment. Donc, on amène des gens qui sont très forts, des gens qui sont très connus, des gens qui aiment beaucoup le jeu. Aureus, tu devrais totalement y être. Mais probablement oui. Il te manque un fois 100 en termes de followers pour juste être accepté. Je pense quelque chose comme ça, ouais. C'est pour ça qu'il faut le tournoi a un sacré cash price. Et dans les commentaires du tweet qu'on vous a montré, d'ailleurs, il y a un gars qui était deux fois premier master du serveur à chaque reset qui n'a pas été invité et qui s'en plaint. Donc c'est un tournoi qui va être très rigolo à regarder, je pense. Oui. Si vous cherchez du skill... Je pense mieux vaut aller sur d'autres streams où vous allez avoir des masters, des challengers qui vont ladder et qui vont vous expliquer un peu mieux que ce tournoi. Mais ça a l'air vraiment fun et Twitch Rivals. Un jour, on en fera peut-être un jour. Pourquoi pas, ce serait une dinguerie. Il y a Taito d'ailleurs sur le chat Cast Gameplay. Bonjour à toi, ça fait plaisir que tu sois là, qui nous dit il a été invité depuis, je crois, il s'appelle Prokovac. Voilà. Exactement. Tu vois, comme quoi il suit bien la scène. oui. Pokrovac. Pas Prokovac. J'ai dit Pro. Ah, Proko. Ok. Fais gaffe, sinon c'est un médoc. Ça doit être un antidépresseur ou un truc comme ça. Oh, okay, ça marche, c'est noté. Et dans ce cas-là, c'est bien qu'il ait été invité, puisque clairement, il a sa place dans ce genre d'événement. C'était le point Legends of Runeterra, beaucoup axé sur les tournois. Après tout, il va falloir faire découvrir toute cette belle extension de Beachwater qu'ils ont sortie. On a fait toute une émission, c'était très instructif, très beau. Il me manque à voir toutes les voice lines. Mais en parlant de la suite, TFT bouge aussi. On arrive, bien entendu, avec le patch 10.10, un patch qui devrait corriger quelques compositions. Candyland en fait partie. Oui, j'ai l'impression. On en a parlé également la semaine dernière avec Tipsalevo qui nous a fait une chronique dessus. D'ailleurs, si vous voulez retrouver sa chronique, pareil, hein, elle est en replay sur notre chaîne Cast and Play. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Il nous parle de 3 compositions qui étaient vraiment insane. En tout cas, la semaine dernière, il y avait la composition Candyland, la Space Gem et la Vel'Koz. Sur le patch 10.10 de TFT, il y a quelques buffs et quelques nerfs. Et dans les nerfs, on retrouve la Poppy qui était centrale dans la composition Candyland. Il y a également le nerf du Calice, il me semble, qui était joué en 2 exemplaires sur la Sona qui était dans la composition Vel'Koz de mémoire. Les Larivas, arrête-moi si je me trompe.
C'est ça, on nerf aussi Twisted Fate qui était beaucoup utilisé dans, une compo dans la composition Candyland, le Morolonicon qui est beaucoup utilisé dans la composition Vel'Koz. Celle qui, elle, va être assez contente, c'est toute la composition Star Guardian qui se base énormément sur Syndra qui va recevoir son buff. Et le nerf de la compo Jinx à base de Red Buff qui est absolument démentiel, qui a une power curve très lisse tout du long de la game, jusqu'à arriver en late game où là d'autres compositions reprennent le devant. En tout cas, c'est très intéressant, c'est des ajustements à la marge. Et là, comme la méta s'est un peu stabilisée dans ce qu'on était capable de faire en termes de champions et de compos, ben, la semaine dernière est sortie la composition Candyland tout de même, de nulle part. Mais l'équilibrage continue son petit chemin et ça fait plaisir, hein, Teamfight Tactics qui vit bien. On attend le prochain set pour avoir un même événement de l'ampleur de Bridgewater pour Runeterra. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a TechPack, hein, sur le chat Cast and Play qui nous dit: alors j'ai testé et en fait ça marche quand même, elle permet toujours de faire top 4. Enfin, probablement de la composition Candyland. C'est vrai qu'elle est très forte, donc si tu arrives à la maintenir. Et à la mettre, on va dire, en place comme il faut, je pense qu'elle permet effectivement Oui, mais d'aller avant, elle se forçait. Ah ouais, avant, elle se forçait, maintenant, quand ce sera une compo plus qui fait top 1 est capable d'être forcée, c'est pété. C'est la base dans TFT. C'est sûr. Bon, ça c'était pour TFT, pour ceux qui arrivent. Exactement. Si vous voulez plus de news, n'hésitez pas à aller voir Sean, qui est actuellement double challenger sur ce jeu. Il a eu ça cette semaine. Il est non seulement premier FR, mais avec double compte. À plus de 1000 LP en challenger. Hein. On parle pas de juste double compte en challenger, on parle double compte dans le top FR. C'est comme le type qui avait 4 comptes dans les 5 premiers en Challenger sur LoL, pour ceux qui suivent. Et bon, ça remonte, ça, mais oui, c'est une grosse perf. ça reste une grosse perf. Et on va attaquer ensuite en parlant d'aliens et de types qui savent tout faire dans toutes circonstances, dans toutes les équipes possibles. Kikis, le mercenaire ultime, est de nouveau sur le retour du marché, mon cher Horus. Ouais, effectivement, Kikis qui faisait partie des Illuminar Gaming, donc une équipe polonaise. Il a fait partie de cette équipe de janvier 2020 à mai, donc voilà, c'est très récent. Quatre mois sans changer, comment il a fait ? Et ouais, et du coup, il est désormais free agent, ça a été annoncé. Il a été notamment, pour rappel, Kikis chez les Unicorn of Love. En saison 5, il a notamment sorti Shaco, donc un de mes joueurs préférés. Il est passé également chez Fnatic Academy, G2, Vitality, Rogue. Il a été jungle, top lane, puis jungle. Et il est retourné aux sources enfin avec les Illuminar Gaming en ce début de saison 10. Et maintenant, il est complètement free agent. Alors, est-ce que selon vous, il va revenir en LEC ou est-ce qu'il va aller dans une autre région? Très, 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 très bonne question. Ouais. Très 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 bonne question. Bon, il faut savoir, c'est que Kiki, c'est quelqu'un qui ne se plaît pas à top niveau, qui aime bien changer régulièrement, qui est considéré comme étant un excellent mercenaire. C'est un joueur que vous prenez dans votre équipe, il va vous la monter. C'est ça. Il est à la limite du PL professionnel. Ça aussi, c'est une grosse perf. Hein. Ce qui est pas évident, hein. C'est vraiment un bon joueur pour ça. Et moi, je me souviendrai toujours de son TF jungle. Plus que de son Shaco. Je me souviens de son Shaco, bien entendu. Mais oui, le TF qui flashine à la gold card. C'est la grande époque Unicorn of Love qu'on a pu voir. Checker les replays parce que juste, c'est l'époque de Poppy Top, à l'époque où c'était pas joué. Il y a eu des TF jungle, on a eu des picks, mais totalement random sortis par Vijikachi et Kikis. Mais c'était très, 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 très beau à voir. En tout cas. Il avait notamment sorti l'ancienne Poppy en jungle, pour ceux qui se rappellent. L'ADC était l'ancienne, méga avant heureux. Le rework, qui commence à dater maintenant. On parle d'une invulnérabilité qui dure à peu près 10 secondes, sauf à une personne. Vous mettez ça sur le support, et ensuite, vous foncez sur l'ADC. C'était le principe du champion, il savait faire à peu près que ça. Il y avait son passif qui aussi réduisait énormément les dégâts quand t'étais low life. Et tu lui mettais un execute, il avait son HP, mais t'avais le truc qui proquait, il était tranquille. Le festin de Cho'Gath, ça fait 50 points de dégâts. Dans l'idée. Parce qu'avant, le festin de Cho'Gath n'était pas des dégâts bruts, oh là là. Et pour replacer juste un petit passage, on rappelle que le power leveling, le PL, est une forme de triche. Et la triche, c'est banni par Riot Games en général. Et c'est banni non pas que sur League of Legends, mais aussi sur Valorant, où un lead designer, visiblement, s'est payé le scalp de quelques tricheurs, mon cher Aureus.
Ouais, alors c'est Philippe Koskina, ou Koskinas, je sais pas trop comment on prononce. Il est, donc j'en parlais un petit peu dans l'intro, designer de système anti-triche pour Riot Games. Et il a fait un petit tweet, donc je te laisse le montrer à nos chers viewers, je vais le traduire rapidement. Donc c'est, nous avons localisé un univers Valorant où il y a 8873 tricheurs de moins et nous y allons tous. Faites attention car vos os ont pu se déplacer pendant le voyage dimensionnel. Il est également très fun et pas dépourvu de sens de l'humour. En tout cas, ça montre bien que le système anti-triche fonctionne et qui travaille toujours dessus. Voilà, ça banne les joueurs et ça récolte les résultats et ça doit être aussi en train d'améliorer leur système anti-triche. Donc je pense que Valorant, ça va être un jeu où vraiment tu ne pourras pas avoir de aimbot. Est-ce que vous pourriez faire la même chose sur les comportements toxiques, messieurs Riot Games? Parce que autant je suis tout à fait d'accord avec ce que vous arrivez à faire sur la triche en général, on en voit assez peu. Mais pour ce qui est des comportements et du chat, c'est pas fou. Je sais pas quel est votre avis à vous qui nous regardez, mais vous pouvez avoir un peu moins de mental break chez les gens, ça m'arrangerait. En tout cas, qui mental break sur eux, pas sur ma mère. Ça me ferait plaisir. Ouais, je comprends. Après, tu vois, genre, c'est vrai que, bon, depuis, on en a parlé la semaine dernière, de Voyboy qui a fait un petit peu son coup de gueule, où il disait simplement son ressenti sur la solo queue. C'est vrai que depuis, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont manifestées en disant que, voilà, la solo queue, effectivement, c'est un milieu où, bah, c'est pas super chaleureux quand tu lances une game et que tu commences déjà à te faire troll pick dans la draft, bah, forcément, ça met pas dans le meilleur mood. Mais il y a aussi des games où tout se passe bien, mine de rien, ça existe, et je préfère personnellement retenir celle-ci. Je suis sûr que de toute manière, ils ont entendu le message de la communauté par rapport à tout ce qui se passe dans la ranked. Et moi, personnellement, ça fait une semaine et demie que j'ai repris la ranked sérieusement. J'ai gagné une ligue, voilà, en une semaine, ce qui est pas rien. Et en fait, je croise des gens, des fois qui trollent, des fois, et je sais pas, moi, j'arrive toujours à leur parler pour qu'ils se remettent dans la game. Et à chaque fois, les games sont plutôt très sympas et très cool, dans une bonne ambiance. Donc là, je suis un petit peu dans une bulle où bah il y a moi et mes mates et on n'est pas du tout touché par ça, donc c'est trop bizarre. Profite, Coach Aureus, oh oui, celui qui règle les problèmes de famille de ses mates, clairement. Et ça sera tout d'ailleurs sur Valorant. On trouvait ça assez rigolo, le système anti-triche. Ça joue. On a un dernier point compétition. On a eu deux petites news, mon cher Aureus, qui sont tombées récemment et qui concernent la Corée et la LPL. La première, c'est qu'on va avoir une sorte de pseudo MSI entre la Corée et la LPL. Qui va arriver, qui vient d'être annoncé. Et la deuxième, il me semble que c'est la reprise, la date de reprise de la LPL, mon cher Aureus. Dis-nous en plus. Ouais. Alors, on va commencer sur la reprise de la LPL. Effectivement, ce sera donc le 5 juin, donc c'est dans moins d'un mois maintenant, donc ça va faire plaisir de revoir le Bagarre Club hein, en action. On a hâte avec Léla Riva de vous caster ça. Ce sera sur Rito Gaming, hein, bien sûr. Pense qu'on y sera la castering totalement. Donc on a vraiment vraiment hâte que ça reprenne. Et d'ailleurs j'avais mis de côté une petite image hein, pour voilà vous faire un petit débrief de au niveau des résultats ce qui s'était passé en LPL. Donc le Spring Split avait été remporté par les Invictus Gaming, champions du monde 2018 de League of Legends, avec 14 victoires pour 2 défaites. Ils étaient suivis par les JD Gaming et par les Fun Plus qui sont champions 2019 de League of Legends, et les Top Esports en 4e position. Et dans les playoffs, c'est effectivement ce top 4 hein, qui allait jusqu'en demi-finale. Bon, pour le top 2, Invictus Gaming et JD Gaming, ils avaient leur place en demi-finale, donc c'est un petit peu normal. C'était facile. Top Esports et Fun Plus sont remontés. Invictus Gaming s'est incliné face à Top Esports 3-1, c'était la première surprise, mine de rien. Et ils ont également perdu Invictus Gaming contre les Fun Plus pour la 3e place, les Fun Plus qui ont gagné 3-0 contre les Invictus Gaming. Et les Top Esports qui se sont inclinés 2-3 face aux JD Gaming qui se sont donc imposés comme la meilleure équipe LPL au niveau du Spring Split. Et sincèrement, vu leur style de jeu, je pense que les autres régions ont tout intérêt à commencer à regarder ce qu'ils font parce qu'ils sont vraiment super chauds, les JD Gaming.
Le top 4 chinois en général est extrêmement bon et ne démériterait pas au World les 4 équipes. Et c'est ça qui nous fait peur, là, surtout qu'en plus, ça doit se passer à domicile chez eux cette année, si tout se passe bien, si le coronavirus nous lâche un peu, histoire qu'on puisse aller s'amuser dans des stades. Mais ça, on va voir avec le temps. Et c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Alors, on avait déjà de bien belles news. La suite du programme, on se déconfine. Mais les tournois aussi, visiblement, ça va reprendre. Les équipes se sont adaptées et c'est pour le plus grand plaisir de tout le monde, mon cher Aurélius. Ouais, complètement, ce sera dans la chronique de Walk. Avant, je voulais juste réagir un petit peu parce qu'il y a eu de l'activité dans le chat. Donc, il y a déjà Abigail qui nous a dit: est-ce que la loi Avia serait-elle applicable sur les serveurs Riot? Alors, est-ce que, je ne connais pas cette loi. Est-ce que toi, tu la connais, Léla Riva, la loi Avia? Je ne sais même pas ce que c'est. Et dans le chat Cast and Play, du coup, c'était Kiki qui nous dit « Ils ont fait un post dans la semaine dessus. D'ailleurs, Voyboy a fait son coup de gueule et Riot a répondu qu'ils allaient agir à court terme en permettant le report en champ select à moyen-long terme aussi. » Ah oui, c'est vrai, j'avais vu passer ça au niveau de la draft. C'est vrai qu'on pourra signaler les comportements des gens dans la draft. Et au départ, ce ne sera pas forcément pour sanctionner, mais plus pour faire... Des bases de données de comportements qui sont sanctionnables et de savoir ce qui tilte un petit peu les gens en draft. Et après, effectivement, ils vont un peu plus appliquer des sanctions dès la draft. 10 ans, messieurs, 10 ans. Et visiblement, on n'était pas les seuls à, on n'est pas les seuls à en parler. Hein. Voyboy était le premier là-dessus. La loi Avia, c'est la nouvelle loi contre le cyberharcèlement qui vient de sortir. Mmh. Elle est assez controversée parce qu'il y a quelques petits soucis vis-à-vis de la liberté d'expression et autres. Quand on commence à censurer l'internet, on connaît quelques pays qui le font et en général. On commence à savoir ce que tu dis à tes amis sur des messageries un peu privées. Donc il faut c'est pas forcément facile. Sur les serveurs Riot, ça sera difficile à faire appliquer, étant donné que c'est une entreprise américaine possédée par une entreprise chinoise. Donc on va avoir le droit de ces deux gros pays à passer entre-temps, en sachant que le droit américain est extraterritorial. Il s'applique partout. Il s'en fiche. Si on est à l'autre bout de Jupiter, ça s'applique quand même. Incroyable, ils ont tout prévu. Ils ont tout prévu. Bon, ça crée d'autres problèmes, hein, parce que quand il faut envoyer des tanks à l'autre bout de Jupiter, c'est pas... Ouais. Après, bon, je crois pas qu'il y ait beaucoup de guerres astrales actuellement du côté de la Terre. Je ne sais pas. On ne nous dit pas tout, mon cher Aurélius. En tout cas... Garde tes secrets de tes arts. C'était le journal L'eSport, des nouvelles de tous les jeux Riot Games. Et nous, on va partir en pub pour quelques petites minutes, le temps de récupérer notre cher Walk qui va nous faire une chronique sur les jeux de Versus Fighting pendant le confinement. On se retrouve d'ici quelques minutes. À tout de suite, les amis. À tout de suite. De retour, les amis, pour l'Accent eSport, nous avons récupéré un chroniqueur, nous l'avons extirpé de chez lui, amené à la maison, branché à un clavier, et nous voici, Woke, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Bah écoute, très très bien, hâte de savoir un petit peu plus du coup sur le Versus Fighting pendant le confinement. Eh bah écoute, la parole est à toi, mon cher. Très bien, ce soir je vais vous parler de l'impact du Covid-19 sur les différentes communautés des jeux de combat, aussi appelées FGC, donc l'anagramme de Fighting Games Community. Okay. Donc l'annulation d'événements comme le Stunfest et l'Evo, même si l'Evo prévoit quelque chose pour compenser et proposer un tournoi malgré ces annulations, il y a eu aussi des décalages d'autres tournois, donc, notamment en France, celui qu'on peut noter c'est le Mix-Up, donc ça va probablement signer le glas d'événements plus modestes. Alors, ce n'est pas forcément extrêmement grave dans certains pays comme les États-Unis, le Japon, qui ont énormément de tournois avec des grosses communautés bien implantées. Cela peut être gênant sur des pays moins... pas forcément prospères, mais moins actifs, ou dont la scène est encore en construction. On pourrait penser donc au Pakistan qui s'est révélé sur Tekken l'année dernière, toute la scène africaine généralement, ou d'autres pays qui sont... moins mis en avant et moins reconnu dans le domaine des jeux de combat et même de l'e-sport en général. On va passer à certains pays européens comme la Grèce ou d'Amérique du Sud, comme le Pérou. D'accord. Comme le Pérou, donc voilà.
donc là-dessus, avec cet impact, ce qui a été également lié à l'annulation des événements, c'est que tous les différents World Tours ont pris du retard, sauf deux qui devaient commencer plus tard, qui sont les World Tours de Mortal Kombat 11 et Dragon Ball FighterZ. Okay. Alors, il faut savoir que Mortal Kombat, ils ont annoncé la saison 2 également, malgré l'annulation, malgré leur finale mondiale qui ont été très perturbées par le Covid-19, puisque c'était juste avant le confinement, donc ils ont dû annuler le tournoi de Last Chance Qualifier à la dernière minute en mars. Okay. Donc là, ça avait été très gênant pour eux. Donc il y avait énormément de gens qui avaient été impactés. Ils ont dû rembourser les voyages des gens et leur nuit d'hôtel. C'est ce qu'ils ont fait pour tous les joueurs qui avaient prévu de faire le déplacement et qui ont dû annuler à la toute dernière minute. Donc c'était vraiment, financièrement, c'était une catastrophe, quoi. On peut comprendre. Mais pour Mortal Kombat, c'est pas forcément gênant qu'il y ait du Covid-19. Ça rajoute du roleplay à Mortal Kombat. Oui, effectivement, quelque part. Quelque part. Bien joué. Facile. Faut pas le dire comme ça, il faut dire Mortal Kombat avec la musique et tout. Finishing. Voilà. C'est ça. Et donc, il y a d'autres événements qui ont été affectés, c'est ça, mon cher Hawk, derrière? Ouais, donc après, il va y avoir des impacts qui vont être assez importants. Enfin, on ne sait pas s'ils seront importants ou pas, parce que c'est bien sûr trop tôt pour avoir des conclusions définitives maintenant. Mais qui peuvent avoir de gros impacts plus tard, déjà sur l'organisation des World Tours de cette année, puisque certains événements ont été purement et simplement annulés. Ils devaient héberger des étapes des World Tours. Et donc, il y a un équilibre de points attribués en fonction des régions, tout ça d'activités. Ils essayent d'avoir un équilibre en disant qu'il y ait autant de points à récupérer en Asie, en Europe, en Amérique, pour qu'il n'y ait pas une scène qui soit mise en retrait à cause de sa localisation et qu'il y ait moins d'événements. Donc là, avec les événements annulés, il y aura peut-être moins de points à récupérer dans une région, donc les joueurs vont être directement impactés, vu que soit ils devront se déplacer sur un autre continent, soit avoir moins de points, donc plus de difficultés pour se qualifier à la fin de l'année. Quel enfer. Les points donc peuvent être plus importants en plus, il me semble, parce que si on pourrait dire, bon, c'est pas grave, mettons, il y a 1000 points en Asie et 500 en Europe, ben on multiplie par deux les points en Europe, mais ça veut dire qu'on les a tous gagnés sur un tournoi. Ouais. Ouais, non, c'est ça, c'est toujours très difficile. Puis après, il y a aussi les joueurs. Alors, faut savoir que la scène des jeux de combat, c'est assez particulier. Il y a, alors, les pro players, les vrais stars, on va dire, elles vivent uniquement de ça. Mais il y a quand même pas mal de joueurs qui sont juste sponsorisés par des structures, qui se déplacent aux événements, qui sont défrayés pour les événements, mais qui, à côté de ça, n'ont pas de salaire. Donc, ils ont un travail à côté et qui, des fois, ne peuvent pas se déplacer sur certains événements pour des raisons professionnelles. Bien sûr. Qui font que là, s'ils ratent le seul tournoi, leur année, elle est foutue, quoi. Et bon courage l'année prochaine pour retomber sur un sponsor là-dessus. Il y a un effet The Invitational de Dota 2, en fait. Ils ont le même souci avec tout je peux jouer sur un tournoi, The Invitational, et il y a des équipes qui se forment, qui se déforment juste pour ces tournois-là. C'est ça ? Ouais. Et donc là, ça peut avoir aussi de grosses conséquences pour Riot Games, alors, indirectement, puisqu'on sait qu'ils ont un jeu de combat en préparation, Projet L, et en fonction de quel sera l'impact du Covid-19 et du confinement sur les différents pro-tours, sur comment ça aura fait impacter la scène, ça risque de changer un peu la donne au niveau de la scène des jeux de combat, où les tournois majeurs sur les pro-tours, ils seront peut-être plus réticents à les confier à certains pays, en mode où notamment Tekken le fait, où ils essayent un peu d'organiser des tournois même majeurs avec beaucoup de points à gagner, dans des régions où l'e-sport n'est pas forcément le plus avancé, où ne sont pas les régions principales auxquelles on va penser quand on va dire le mot e-sport. Et derrière ça, si jamais ils voient que là, ça impacte sur le World Tour, qu'il y a des confinements, que c'est fini, et qu'ils ont eu des gros problèmes avec ça, peut-être qu'ils seront beaucoup plus frileux à l'avenir de le refaire, et qu'ils se concentreront sur les événements principaux qui ont peu de chances d'être annulés, ou qui, de toute manière, pourront plus ou moins être décalés, retomber sur leurs pattes. Alors, on a comme notamment là-dessus un peu le mix-up en France qui est gros, où on va penser à l'Evo, à tout ce qui va être CEO, Combo Breaker, là-dessus pour les tournois majeurs. Donc bon, ça peut vraiment changer globalement l'équilibre sur tout ce qui est la communauté des jeux de combat et l'organisation des World Tours actuels.
Donc ça serait plutôt sur les circuits l'impact, pas tant sur les jeux en eux-mêmes, mais sur les circuits de compétition, peut-être s'accommoder des circuits. Mais pourquoi ça gêne autant les circuits? Dans l'idée, il me semble qu'on pourrait faire les jeux, utiliser les jeux de combat en ligne. Je connais la réponse, donc ne vous inquiétez pas. A priori, c'est des problèmes de ping, si je ne me trompe pas. Ouais, alors il y a déjà ce qu'on appelle le problème de ping, il y a aussi le problème de rollback, qui est l'une des solutions trouvées par certains éditeurs pour régler les soi-disant les soucis d'online. Ça marche absolument pas, puisque le rollback, en fait, c'est-à-dire que ça va afficher à peu près la même image, enfin, pour les joueurs en même temps, qui vont être à peu de choses près à la même frame, puisque sur les jeux de combat, vraiment, ça se joue à la frame. On parle beaucoup de frame perfect et de choses comme ça. Donc, un petit décalage au niveau des frames sur les écrans, ça peut être très important. Donc, comme ils essayent de faire en sorte que chaque joueur en soit exactement au même point pour que chacun puisse réagir en même temps et non pas quelques fractions de secondes avant ou après, là-dessus, ça annule certaines actions. Donc, ça peut complètement faire foirer un coup et complètement changer. Sur beaucoup de jeux, tu as des champions qui sont top tier online et qu'on ne voit pas du tout en tournoi pro parce que d'un seul coup, ils deviennent beaucoup moins forts une fois que les autres personnages ont accès à l'intégralité des compétences. Il y a un contre qui est impossible à faire en online, et donc du coup le personnage devient top tier, et dès qu'on est en offline, coucou, c'est facile, et le perso ne vaut plus rien. Ça peut arriver, mais du coup comment ils sont en train de s'adapter à ce genre de système, parce que tu nous as dit jusqu'à présent il y a des événements qui sont restés, des événements qui ont été joués, il y a des événements qui ont été purement et simplement annulés. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres initiatives qui permettent d'aller voir un peu plus loin malgré le Covid, qui a l'air d'être là pour rester? Alors, là, c'est là où il va y avoir tous les enjeux pour les différents Pro Tours, puisque justement, tout ce qui ont été événements ont été annulés, décalés pour tout du moins le début de cette année 2020. Et après, il va falloir voir comment ça va être impacté, parce que peut-être que ce sont les éditeurs qui vont vraiment vouloir d'un seul coup ne plus être dépendants de tierces personnes pour leur Pro Tour, et auquel cas, ça aura un gros impact sur la scène à terme. Mais ce serait une mesure très très peu populaire et probablement très mal vue par les différentes scènes, puisque les scènes des jeux de combat sont des scènes qui se sont construites avant tout sur des événements indépendants plutôt que sur des pro-tours comme l'ont fait l'éditeur sur d'autres circuits. On va notamment penser à League of Legends, où là, la scène est née autour de Riot, parce que Riot a tout encadré dès le début, alors que par exemple pour Street Fighter et Tekken, c'est l'éditeur qui avait une scène, qui avait quelque chose d'actif, ils se sont dit, venez, on va faire un championnat parce que ça va nous faire de la pub, parce qu'il y a moyen, parce qu'on a toute une communauté, et tout est déjà là, en fait. On n'a plus qu'à dire, faites-le, mettez en place, on officialise tout ça, mais nous, on n'est pas initiateur là-dessus. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, donc ça, on verra pour comment Riot Games, eux aussi, ils voudront s'implanter là-dessus. Tweaker ça. Lorsque leur jeu de combat sortira. Voilà, donc maintenant on va parler un petit peu des initiatives donc locales en France sur les différents jeux pendant le confinement. Donc Tekken 7, c'était un peu le mauvais élève parce que il y a eu des problèmes d'online, le jeu était sur un patch où c'était pas vraiment équilibré, il y avait un personnage vraiment trop fort. Et derrière, il n'y a pas eu énormément d'événements organisés par la communauté. C'est pas qu'elle a été inactive, mais ils n'ont pas fait beaucoup d'événements ou de diffusion là-dessus. Voilà, la communauté anglaise a été un peu plus active sur le jeu. Il y a eu même eu un show match entre les têtes de série françaises et britanniques le week-end dernier à l'initiative de l'organisation UU. Sur Soul Calibur 6, c'est Kayane qui s'est le plus illustré, qui a fait beaucoup d'événements pour la communauté. Un Kayane Cup, c'est ça? Notamment le week-end dernier. Ouais, Kayane, c'était ça, le top 8 de son online édition. Voilà. Voilà, donc ça, c'est ce qu'a fait Kayane. Il y a eu aussi Grand Blue Fantasy Versus, qui est un jeu sorti récemment, oui, qui est en train de bâtir sa communauté. Et bien, mine de rien, ils ont fait plusieurs tournois, avec notamment organisé par Evans, un ancien joueur de Street Fighter qui est passé sur Grand Blue Fantasy Versus. Après, Smash. Alors, Smash, c'était très particulier parce qu'ils ont eu énormément de problèmes online. Donc, ils n'ont pas pu faire beaucoup de tournois. Il y a eu quelques money match organisés par les pros, notamment Gluttony qui s'est beaucoup amusé là-dessus à organiser money match avec des filles sur le jeu. Et également le Pugilat des Étoiles qui, eux, ont décidé de sortir leur version d'un classique de Disney remodifié sur l'online de Smash qui s'intitule Partir Online et qui est une parodie de la petite sirène de Disney, Partir Là-bas.
Elle est très sympa d'ailleurs. Oui, on l'a passé, c'est très rigolo. On va la remettre d'ailleurs, derrière, juste pour vous. Et derrière, il y a eu un gros tournoi organisé par donc la légende Smash, Armada aussi, ça c'est pour une initiative internationale. Sur Dragon Ball FighterZ, le World Tour lui n'a pas été affecté vu qu'il reprenait plus tard, mais quand même la communauté n'est pas restée inactive pour autant. On a notamment en France eu le Yuzu Clan Gaming qui a organisé donc soit des tournois internationaux comme la semaine dernière l'European Legends qu'organisait avec White Black où se sont affrontés des joueurs anglais et français notamment puisque sinon après c'était un peu compliqué de prendre tous les pays européens pour des problèmes de ping et de latence. Voilà. Et il y a également sur Dragon Ball FighterZ les Galaxian Explosion qui sont des weekly organisés par Reza à chaque semaine. Donc c'est plutôt cool. Et Reza qui a aussi dit vouloir reprendre aussi les événements sur Mortal Kombat 11 suite à l'annonce du dernier patch par les studios NetherRealms et avec les trois nouveaux personnages, donc Robocop, Fujin et Shiva. Voilà. Okay. Et finalement, donc, on va terminer avec Street Fighter V qui s'est révélé être la scène la plus active. Il y a eu énormément de tournois organisés pendant le confinement. Donc les plus célèbres, c'était le Quarantine Fighters Online ou alors un invitational avec à la fois les plus gros joueurs français et aussi un peu les joueurs qu'on attend qui seront peut-être la nouvelle génération, donc organisé par le site Versus Fighting TV qui s'appelle All Lights on Me, dont il y a la deuxième édition actuellement. Et à côté de ça, on a carrément les joueurs professionnels qui ont décidé d'organiser leur propre championnat de France sur Street Fighter V, donc le Super Strong Championships, dont les qualifications se sont achevées le week-end dernier. Le championnat a commencé cette semaine et il continuera tous les mardis et jeudi soir. Voilà. Ça en fait des tournois et des cups disponibles pour les gens. Et ils ont l'air de se plaindre beaucoup sur le thème de la petite sirène, mais a priori, ils ont encore quelques initiatives qui peuvent se faire. Et puis, si vous voulez vraiment jouer, trouvez-vous un petit frère ou une petite sœur. Pour ce qui est des jeux, hein, des jeux de versus fighting qui sont souvent sur console. Trouver un petit frère ou une petite sœur, c'est chaud quand même. Oui, et puis... débrouillez-vous, faites chier vos parents, enfin, il y a des moyens d'avoir des petits frères, des petites sœurs, hein. Au bout de 5 ans, ils finissent par craquer, en général. Faites-vous des potes, sinon. Ou faites-vous des potes, ouais, mais c'est plus compliqué, ils doivent vivre avec toi, avec le Covid. Aïe. Convertissez vos colocataires, prêchez à la bonne paroisse, je pense que vous pourrez vous en sortir. Il y a des méthodes pour dégager le lag, et... la séquestration de gens pour jouer à Smash n'est pas autorisée, je tiens à le dire. N'est pas autorisée. Ne sera pas approuvée par Castenplay, en tout cas. Non, c'est pas nous qui l'approuvons. Clairement pas. C'est exactement. Bah, en tout cas, merci pour ce point sur les jeux de... Ah là, les jeux de versus fighting. Et moi, j'ai toujours envie de dire les jeux de sport de combat. Ah là, c'est pas tout à fait pareil. Le finishing dans Mortal Kombat, c'est pas tout à fait pareil. Finis-le. C'est pas un upon. Finis-le. L'esprit du sport moyen dans Mortal Kombat. On va sous le Calibur, on va dire que bon, c'est un peu la même sauce. Hein. Exactement. Oui, sous le Calibur, c'est dans le principe. Ils viennent se battre avec des épées, techniquement. Ouais, le kendo, tout ça. Allez, pourquoi pas. Bon. Voilà. On hâte de voir ce que ça va donner, en tout cas le versus fighting de Riot. On a vu quelques images et ça a l'air plutôt sympa. Après, bon. Sur les quelques images, le jeu a l'air d'être assez classique dans le sens où ça ressemble pas mal à du Street 5. Donc on s'attend à un jeu 2D. Okay. Donc ça sera 90% Street 5 et 10% un autre jeu si on suit ce qu'ils ont fait sur Valorant. Si on suit la logique Valorant, ouais. Et ça va cartonner avec des drops sur Twitch. Allez. Mark my word. trop fort. Ben, après, là, ça peut être très intéressant parce que Riot, ils ont donc cette Kylian qui est un des développeurs qui a travaillé sur Street Fighter 4 et qui a finalement, Capcom, ils se sont dit, t'as fait tellement du bon travail qu'on va nommer le boss final de Street Fighter 4 en ton honneur. Donc le boss final s'appelle 7 pour cette raison. Oui, et le boss dans League of Legends s'appelle 7. Ah, je viens de comprendre le nom du champion. Parce que c'est 7 le boss, okay. À l'orthographe près. Ça, c'est le copyright, l'orthographe, c'est tout. Il y a peut-être un clin d'œil, ouais, c'est ça. Ok. Et ils avaient aussi donc les développeurs d'un autre studio dont le nom ne me revient pas, mais qui avait développé un jeu avec.
qui mixait un peu les jeux de combat et les MOBA. C'est-à-dire que les techniques donc sortaient à la manière de jeux les de combat jeux de et ça, mais elles avaient des cooldowns, un peu comme dans les MOBA ou les MMO. Et on pourrait peut-être retrouver ce système dans le jeu de combat de Riot. Alors, il n'y a aucune info là-dessus, bien entendu, puisque personne n'a d'info sur Projectile, mais en sachant, en mettant bout à bout ces deux informations, on se dit que c'est une théorie plausible. Ok, ok. Intéressant, j'aime bien les théories et les spéculations de ce genre, Hulk. j'avoue que j'ai hâte de voir ça, mais on va avoir le temps d'en reparler dans une autre chronique, je pense, d'ici 6 mois, 1 an, le temps que ça sorte. Nous, on va se laisser pour une courte page de publicité. On va te remercier, Hulk, pour ta très intéressante chronique. Merci beaucoup. Et ensuite, pour ceux qui sont sur le live, restez avec nous. Nous allons découvrir le coach des TPAA. Et ce ne sera ni plus ni moins que Kiki. Je ne vois pas comment je pouvais présenter ça autrement. On se retrouve dans 5 minutes, les amis. Ça va revenir. L'accent e-sport revient. À tout de suite. Et de retour sur l'accent e-sport, après la partie journal de l'e-sport et après la partie chronique, on arrive à la partie interview, toujours avec Léla Riva. Et notre invité aujourd'hui, c'est Kylian Audouin, alias Kiki, le coach des Tony Parker Adequat Academy, aussi connu sous le tag des TPAA, l'équipe académique des LDLCOL, bien sûr. Les TPAA sont arrivés second du premier split de Division 2 de League of Legends, et Kiki et également coach pour les Women in Games. Et il a également cast un tournoi d'ailleurs avec les Women in Games, c'était le 13 avril. Voilà, je pense que je t'ai bien introduit. Kiki, comment tu vas ? Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation et merci pour la présentation. Elle était plus complète que ce que j'aurais pu faire moi-même, je pense. Je fais bien mon taf, yes. Bon, du coup, Kiki, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ta présentation ? Parce que je pense que je te connais moins bien que tu ne te connais toi-même. Donc, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas. Elle était très complète. Depuis cette année, là, depuis septembre, je suis coach, donc, comme tu l'as dit, à la TPAA. Mm-hmm. On est à Lyon et là, un peu différent avec le confinement, mais c'est exactement comme tu l'as dit et ça fait plaisir. Ok, et du coup, vous êtes également dans les mêmes locaux que LDLC, j'imagine ? C'est pas exactement pareil, mais c'est dans le même quartier de Lyon. Pour ceux qui connaissent, dans le sud de Lyon, il y a le quartier Gerland, qui est un quartier un peu sportif. Ouais. Et donc, il y a Tony Parker qui a implanté son académie à cet endroit. Et les locaux LDLC, ils ont choisi de les mettre pas très loin, à 10-15 minutes à pied. Comme ça, il y a des logements que les joueurs pros et les académiciens peuvent partager, entre guillemets, enfin, c'est des appartements. Chacun a son lieu d'entraînement spécifique et ça favorise les échanges, cette proximité, évidemment. Ouais, c'est sûr. C'est toujours mieux d'être proche de l'équipe académique et de l'équipe 1, c'est sûr, ça peut apporter pas mal de choses. D'ailleurs, toi, Kiki, est-ce que t'es full dans l'e-sport ou est-ce que t'as une activité à côté de ton rôle de coach ? Non, j'ai la chance d'être full-time. Ça fait un moment que je m'étais mis dans l'e-sport, mais le projet ici là est vraiment très prenant et du coup, j'ai la chance de pouvoir être à plat temps dedans et d'avoir aucun souci. Le star approves. C'est ça. Niveau parcours, école, formation, avant d'être coach et d'avoir du coup les deux pieds dans l'e-sport, où est-ce que tu te voyais avant d'arriver du coup chez TPAA? Moi, j'ai fait mes cours un peu comme, il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être dans ce cas-là, mais c'était mes parents qui me poussaient un peu à travailler à l'école, à essayer de faire des études, ce genre de choses. Okay. J'avais pas trop d'ambition moi-même quand j'étais tout petit pour faire plaisir. Je disais, je veux être pilote de chasse, tout ça, mais j'ai jamais vraiment. Pour faire plaisir, pilote de chasse, wow. Ouais, mes parents, ils aimaient bien que j'ai. Ils veulent toujours que tu aies un petit rêve, soit docteur, soit astronaute, je sais pas. Moi, j'ai dit pilote, ça avait l'air sympa. Ok. Je fais les deux. T'es dans le même cas. Docteur en physique des particules, je suis docteur et astronaute, non ? ça marche. Non ? C'est vraiment. Moi j'avais fait le petit bac S. Après, j'ai voulu faire l'école d'ingé. Ça m'a pas trop plu. Je suis descendu sur un DUT en logistique. Ok. Et après ça, j'ai un peu arrêté. J'ai travaillé avec mon père plutôt dans le tourisme, vu que j'étais sur la Côte d'Azur. D'accord. Et du coup, j'ai travaillé dans les bateaux. Donc, j'ai fait de la location de bateaux, skipper. Deux jours
Et puis le soir, je jouais à LOL, quoi. Donc, ah, nice. Voilà, on avait toujours ce petit rêve qui n'était pas très loin, d'abord en tant que joueur, mais bon, comme moi, au début, je commençais à jouer, c'était vraiment l'exception d'être joueur pro, ça n'existait pas vraiment. Hein. Il y avait quelques mecs qui gagnaient des tournois, mais c'est vraiment les stars seulement qui étaient dans le domaine. Ok, ouais, je vois. Du coup, Kiki, t'es pas trop emballé par l'école et tout ça, elle fait des études plutôt pour faire plaisir que pour lui réellement. Ok, ça marche. Et du coup, comment t'es arrivé dans l'e-sport avant d'être chez TPA? Est-ce que tu faisais d'autres choses? Est-ce que t'as été dans d'autres équipes? J'imagine que oui. Bah, j'ai eu un petit passé de joueur, oui, comme je te l'ai dit, j'ai commencé le jeu moi depuis la saison 1, donc j'ai connu les 10 ans de LoL. Donc je suis un vétéran, mais voilà. Le j'ai jeu, connu la saison 1 aussi. C'était vraiment un plaisir, tu vois, c'était... Bon, ça n'existait pas vraiment joueur pro. Maintenant, je pense que les jeunes peuvent se dire « Ouais, j'ai bien envie de tenter d'être joueur pro », mais moi, à mon époque, ça n'existait pas trop. Je suis vraiment un boomer pour ça. Mais oui, donc j'ai joué pas mal. J'ai fait pas mal d'équipes amateurs semi-pro. Beaucoup de LAN, c'était le truc qui se faisait le plus. Notamment, une des équipes qui m'a le plus marqué dans mon histoire, je pense, c'est Nuit Blanche, parce qu'on est resté longtemps ensemble. Et on avait quelques joueurs qui sont encore un peu connus, plus ou moins ici. C'était la line-up, c'était Hathor en top. C'était Ashanom en jungle, Seven Omi, Micro en AD, okay. Et on avait Sam Chaka en coach et Eternity en manager, donc des noms qu'on peut connaître un petit peu. On les connaît tous en fait, donc... Eternity, c'est le manager des Geo Academy maintenant, on parle bien de ce Eternity-là. Exactement, oui. Bah, il sera l'invité la semaine prochaine, voilà. C'est tease. Voilà. Bah, super. Bah, voilà, donc voilà, ça c'était un peu en mode joueur, et puis d'accord. Après... vu que dans ma vie aussi, tous les jours, j'avais envie de changement, je m'étais dit, au bout de quelques années, tu vois, de faire des LAN et tout ça, je me disais, ça ne mène pas grand-chose, là, je stagne un petit peu. Mm-hmm. Et professionnellement, c'était pareil, j'étais un peu... la vie était cool, tu vois, mais c'était pas non plus... tu vois, il manquait un petit peu un challenge. J'étais en mode, il y a peut-être un truc que j'ai envie de faire de plus, tu vois. Et, dans l'e-sport? Dans l'e-sport ou ailleurs, tu vois, dans la vie, j'étais en mode, okay. il me faut un but un peu plus grand, je me dis... là, c'est bien, mais bon, je suis un peu dépendant de mes parents et tout ça. Je suis en mode, ok, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à être pro, peut-être, pourquoi pas j'essaye. Et du coup, je me suis remis en question de fou et j'ai arbuté. Donc moi, le déclic s'est fait un peu avant la saison 8 de League of Legends. Et en okay. saison 8, moi, je ponçais le jeu en tant que joueur, du coup. Et je suis monté top 300 Europe en main support, du coup, c'était mon rôle. Oh, bah belle berf. Donc, bah, pas oui, tout le monde qui arrive à faire. J'avais réussi à surmonter des choses que je pensais pas possible, hein, parce que j'étais vraiment un peu hard stuck. Bon, j'avais quand même des bonnes équipes, des résultats corrects, mais en termes de LAN. Mais individuellement, je savais bien qu'il y avait une différence entre moi et un joueur qu'on voulait recruter dans une profession. Donc je voulais d'accord. combler cette différence, ou essayer au moins de me combler pour me dire bah, soit j'y arrive, soit j'y arrive pas, quoi. Avoir des réponses en mettant beaucoup de travail dans le domaine, en me disant si j'y vais à fond, bah au pire ça casse, au pire ça passe, quoi. Donc ok, voilà. donc là on est saison 8, t'es top 300 West. Ouais, il y a 2 ans. Ouais. Ok, ça marche. Et à quel moment t'as eu le déclic et tu t'es dit joueur, je vois qu'il y a un gap qui est encore trop élevé ou que j'arriverai pas à combler, comment est-ce que tu t'es dit je vais basculer en tant que coach, du coup? Mais à ce moment là j'avais déjà eu cette idée un petit peu de coacher, mais à ce moment-là, où j'avais enfin passé ce cap de me dire « ça va, je suis pas trop éclaté au jeu, il y a peut-être un truc à faire », il y avait Solari et le coach Sam Chaka qui faisaient des travaux d'analyste. Donc il y avait des petits concours, on s'était en groupe d'analystes, et en gros, ils donnaient des exercices à faire, et ensuite ils critiquaient un petit peu, ils te donnaient des conseils, ce genre de choses. Et du coup, je m'étais dit « tiens, je vais faire ça », parce que c'était dans la même optique, j'étais en mode… plus t'en fais, mieux tu te portes, tu vois. Il vaut mieux tenter des choses, même si c'est pas forcément le domaine principal. Mmh. Et ça m'avait bien plu au final. Et du coup, j'ai fait cette aventure. C'était juste après mon top Elo. J'ai un peu arrêté la solo queue pour me consacrer à ça. Okay. Et c'était mai de la saison 8, quelque chose comme ça. Et de mai jusqu'à août, je suis resté un peu autour de cet écosystème-là où il y avait Sam Chaka qui aider un petit peu les analystes comme ça. Donc il y avait pas mal de personnes qui ont pu travailler avec lui et c'était plutôt cool. Et des personnes qu'on retrouve un peu plus tard aussi. Donc après Solari, il avait fait aussi pour une équipe turque,
s'appelait Bursa eSport. C'était pareil, des petits travaux d'analyse, tu vois, et ils te donnaient un petit peu des tips. Ce qui était intéressant, c'était de parce qu'ils demandaient un petit peu aux autres, en termes de scouting ou ce genre de choses, bah, ça t'aidait aussi un peu à toi à te dire, ah, ok, pourquoi il regarde cette chose-là? Pourquoi il veut savoir exactement cette statistique ou ce champion ou, tu vois, qu'est-ce qui est intéressant dans l'ordre de la draft? Ou, tu vois, c'est des questions que je ne me posais pas forcément en tant que joueur et qui m'ont beaucoup intrigué pour ma connaissance globale de League of Legends, tout simplement. Et de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, c'est sympa, mais moi, j'ai peut-être envie d'être un peu plus acteur. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas être coach plutôt qu'analyste pour quelqu'un, mais coach pour une équipe, tu vois? Et on a de la chance en France, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes, beaucoup d'associations. Et en vrai, c'est cool parce que comme ça, il y en a pour tout le monde, pour tous les niveaux, et il y a de la place un petit peu à se faire où il y a moyen de s'entraîner. Et j'ai pu rejoindre une association qui s'appelait Orion, et avec quelques amis qui étaient joueurs aussi dedans. Et comme ça, j'ai pu m'entraîner aussi au rôle de coach, à essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est de faire des drafts, comment on peut aider les joueurs à s'améliorer un peu. C'était ça l'optique. Mon but, c'était plutôt de me dire... ok, moi j'ai eu du mal, j'ai mis un peu de temps à avoir le déclic. Est-ce que je peux pas aider d'autres personnes à avoir le déclic plus tôt? Et comme ça, peut-être qu'ils vont vivre leur rêve e-sport de manière pleine, tu vois, dès le plus jeune âge, s'ils peuvent, pour allier un peu le tout, tu vois. Ok, c'est beau, c'est beau. C'est souvent beau. Ça, être coach, c'est aussi accompagner les joueurs, pas forcément que dans le jeu, ça c'est sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'en profite, si vous avez des questions dans le chat pour Kiki, n'hésitez pas, on a le chat sous les yeux, que ce soit sur Cast & Play ou sur la chaîne des AA. D'ailleurs, il y a Hathor, tu nous en parlais, qui est sur le chat des AAA, il dit « Oh, elle est où la caméra ?» Et après, il a rajouté « Qu'est-ce qu'il est beau !» Ah, il a préféré mettre une belle photo, on peut le comprendre là-dessus. Merci. La photo est vraiment belle. Là-dessus. Ah, j'avoue, c'est classe. Tu as la classe, Kiki. C'est grâce à Women in Game, on a fait un petit shooting photo. Allez, bah, big up à Women in Game. Allô, Women in Game. On voudrait des photos, nous aussi. Ok, ça marche. Donc, tes débuts en tant que coach, ok. On va du coup zoomer un petit peu plus sur la création des Tipeee AA. Comment ça s'est passé de la création de la structure académique? Toi, à quel moment est-ce que tu as été mis, on va dire, dans la boucle et dans les informations comme quoi l'équipe allait se créer? Moi, à la base, j'avais envoyé un message à Looney, il me semble, au manager, du coup, plusieurs équipes LFL, hein, de toute façon. Toute l'année LFL, moi, j'étais pas en coaching France, j'étais parti un petit peu à l'international pour me diversifier et avoir un peu d'autres expériences. Donc, j'avais fait, par exemple, un peu plus de 6 mois en Italie, en Ligue 1, avec une équipe qui s'appelle Raccoon. Ok. Qui d'ailleurs a fait les play-in des U Masters cette année, donc très content pour eux. Ouais, GGE. Et en Allemagne, en Ligue 2, quelques mois avec Températe Fate. Et donc ça m'a permis d'avoir un peu plus d'XP en tant que coach et de m'affirmer. Et surtout à l'international, pour travailler l'anglais, c'est assez intéressant. Bien sûr. Et d'autres mentalités que françaises aussi, c'est très intéressant. Et après ça, je m'étais dit, la LFL cette année, elle a vraiment bien marché. J'aimerais bien être dedans, quoi. On tente sa chance, j'ai envoyé plein de demandes un peu à toutes les équipes et LDLC m'a répondu. Donc j'ai fait un petit try-out chez LDLC, la team 1, en août l'année dernière. D'accord, donc du coup, alors, il me semble qu'à ce moment-là, Yellowstar n'était pas encore joueur, il était coach de l'équipe. Coach. Voilà. C'est ça. Donc tu étais devant Yellowstar, du coup. Exactement, un peu impressionnant au début. C'est ce que j'ai te demandé, ça doit être un peu impressionnant. Oui, ça se voit d'ailleurs. A priori, mais vraiment. Super, super cool. Franchement, il est très, très open. Il met vraiment bien en confiance. En plus, ça fait vraiment du... Enfin, quand t'as Yellowstar qui te valide un petit peu, ça te détend, tu vois. Tu te sens un peu mieux. Tu te dis, ok, ça va, je peux essayer de dérouler. On va voir comment ça se passe. Surtout quand on voit la photo de Yellowstar sur le live. Merci, Léla Riva, notre réal adoré. Bien joué. Donc, à la suite de ce tryout-là, ça s'était plutôt bien passé. Et ils m'ont proposé ce projet, justement, TPA. Donc, on a discuté un petit peu là-dessus. C'était un bon mix pour moi d'avoir un petit pied dans la LFL, même si je n'étais pas encore peut-être capable d'être head coach. Enfin, ils n'ont pas voulu prendre ce risque avec moi, en tout cas. Mais au moins, je ne suis pas très loin. Et ça me permet aussi de but de mon expérience et d'avoir quand même un projet assez cool, on ne va pas se mentir. Donc, j'ai pas trop participé à la création soit de la TPA, c'est vraiment un projet où on m'a impliqué dedans, on m'a expliqué ce que c'était. J'ai pas vraiment choisi les joueurs non plus, j'avais pas trop mon mot à dire là-dedans. Moi, je suis arrivé en mode, nous on va prendre 5 joueurs et tu vas vouloir les coacher, est-ce que ça t'intéresse? Il faudrait venir sur Lyon, tout ça. Et
évidemment que ça m'intéressait parce que c'était quelque chose, enfin, moi j'ai jamais vu ça, en tout cas en France, cette manière de faire les choses. Donc je me suis dit, bah ok, c'est cool, je suis pas très loin de la LFL, le projet a l'air vraiment fou, bah let's go. Hein. Et projet qui paye, du coup toi à ce moment-là, avant d'aller sur Lyon, t'étais où? J'étais à Nancy chez ma copine pendant quelques mois. D'accord. Sinon avant j'étais chez mes parents dans le sud, donc vers Cannes. Côte d'Azur, c'est ça. Côte d'Azur. Ok, ça roule. Parce que ouais, ma prochaine question concernait du coup, est-ce que tu avais participé à la création de l'équipe? Du coup, la réponse est non. Tu as découvert du coup les 5 joueurs à peu près en même temps. Ok, ah. Et du coup, j'imagine que tu as pu échanger avec les joueurs. Est-ce que les joueurs, eux, se connaissaient avant de faire partie de l'équipe? Pas tous. Je pense qu'ils se connaissaient un petit peu de nom. Mm-hmm. Moi, en Allemagne, il y avait un joueur que je connaissais, mais c'était un peu au hasard qu'il est venu. Hein. C'est pas du tout moi qui ai recommandé ou quoi. J'ai pas du tout participé à la sélection. Il y avait Yaya, le jungler, du coup. Ok, ouais. Et dans les joueurs, je pense que la botlane se connaissait, Nautix et Solen. Mmh. VTO, du coup, qui est passé en Team 1, qui est à la base dans notre roster de Team 2. Je pense qu'il n'était pas trop connu non plus. Hein. Il s'est fait un peu découvrir. Je pense que ça y est, il est connu, là. maintenant, ça va, maintenant qu'il est champion d'Europe. Ah ouais. Tranquille. Et Tamoz en top lane, et voilà. Mais je pense qu'ils ne se connaissaient pas trop entre eux, à part la botlane. Peut-être deux noms, mais je pense pas qu'ils avaient joué ensemble. Hein. Ouais, peut-être. Ou alors dans d'anciennes équipes, tu vois, parce que souvent on se recroise un petit peu entre joueurs. Bien sûr, voilà. Ou en solo queue, dans ce genre de contexte, c'est possible aussi qu'ils se soient croisés. Oui, ça c'est sûr. Ok, ça marche. Au niveau d'ailleurs du staff TPAA, est-ce qu'il y a d'autres personnes, toi, qui t'aident à encadrer l'équipe et à accompagner l'équipe? Qui sont ces personnes et comment est-ce que vous répartissez un petit peu les tâches? Alors sur le domaine e-sport à TPA, je suis le seul coach, on a une seule équipe LOL de 5 joueurs, mm-hmm. Donc c'est un peu moi qui gère vraiment les 5 joueurs sur place, in-game et hors-game, mm-hmm. Mais c'est quand même un internat, donc ils ont des appartements, un bâtiment avec des appartements, un bâtiment avec la salle de jeu, un réfectoire, et évidemment comme il y a des basketteurs, il y a des salles de basket, de muscu, okay. Ce genre de choses, et un bâtiment où ils avaient les cours, parce que c'est un internat... pour la préparation du bac, donc je crois que c'était seconde, première et terminale, mmh. Donc voilà. Ah ouais, c'est un complexe qui est vraiment pour le coup complet pour les jeunes athlètes et étudiants, ok. Le but ici c'était de faire une académie un peu à l'américaine, très open space, bonne ambiance, où les élèves ils peuvent avoir leurs locaux, leur plateforme pour s'entraîner vraiment à fond, et une plateforme vraiment pour étudier, histoire qu'ils puissent rester dans le circuit scolaire. Tu vois. C'est très humble comme projet, j'aime beaucoup, moi. Ça fait un peu parcours sport-études, en tout cas, ça ressemble beaucoup. Exactement, c'est un peu ça l'idée, ouais. Mais un peu différent du système français. Mmh. Ok, c'est assez, plus pompé du système américain. Ouais, okay, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, j'avais jamais eu ça en France, hein, donc la manière... Donc là-bas, ils sont vraiment bien encadrés, parce que t'as des personnes sur place qui s'occupent de chaque lieu où ils opèrent, en fait. Donc les sportifs ont des coachs de basket et moi je suis juste le coach pour les joueurs e-sport du coup. Ok. Est-ce qu'il y a le staff de LDLC du coup qui est en soutien ou pas du tout vraiment l'équipe? C'est toi qui la gère et c'est toi qui l'a fait évoluer? C'est vraiment moi le responsable. Okay. Mais on a, j'ai évidemment des contacts à LDLC puisqu'ils sont juste à côté et que c'est leur projet évidemment. Mm-hmm. Donc ils me font vraiment beaucoup confiance sur toute la gestion, mais évidemment je leur fais appel à eux quand il y a besoin. C'est bien pratique d'avoir des figures d'autorité. Donc il y a Looney qui aide aussi beaucoup les joueurs, qui est le manager de l'équipe LDLCOL. Il les aide beaucoup, tu vois, si jamais il y a un problème à régler, je sais pas, leur chambre elle est pas bien, ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Il est vraiment là aux petits soins pour tout le monde. Mm-hmm. Donc quand il y a vraiment des problèmes d'organisation, c'est Looney qui gère. Et pour ce qui est des problèmes un peu plus, s'il y a besoin d'avoir... Il y a les dirigeants d'LDLC, Anthony et Stéphane, qui sont là aussi en backup. Tu vois, s'il y a besoin de resserrer les vis ou s'il y a des contrats ou ce genre de choses. D'accord. C'est eux qui gèrent, tu vois. Oui, ok. Mais la vie quotidienne de l'équipe, c'est moi qui la gère en mode je fais le planning de la semaine, je fais les coachings, je fais le scouting. Enfin, tu vois, j'ai plusieurs casquettes dans ce projet. En même temps, on m'a mis full-time ici, c'est pour rentabiliser, tu vois. C'est sûr. Donc, t'es head coach, analyste, tu fais la draft, tu fais tout. Bah ouais, ça me permet un peu de tout faire. Évidemment, je peux pas tout faire à fond. Peut-être ça me manque un peu de spécialisation. Mais pour 5 joueurs en Ligue 2, ça va, c'est correct. Enfin, je pense que j'arrive quand même à produire quelque chose de correct. Ouais, ça, a priori, ça a l'air d'aller. C'est ça. ça se passe bien.
Ok, ça marche. Du coup, moi j'avais une question, mais alors du coup, je sais pas si forcément, vu que t'as un peu toutes les casquettes du staff de l'équipe, si t'arrives à mettre ça en place, mais est-ce que t'as dans ton planning des plages horaires spécialement pour un joueur, faire des reviews de game avec lui, etc. Et à côté de ça, des plages vraiment pour le collectif, travailler le collectif, faire des reviews de game tous ensemble, etc. Bien entendu. Moi, je trouve que c'est assez important, surtout à notre niveau. Je pense que le suivi individuel est limite plus important que le suivi collectif à notre niveau, parce que les joueurs ont besoin d'être très confortables sur leur rôle avant d'être confortables sur l'équipe. C'est comme ça que je le vois. Donc, on essaye d'adapter. Hein. Ils ont les heures de cours, ils ont les heures de trou. Et ben, j'essaye d'être un jour avec un élève. Et on a évidemment des plages de scrim et de review de scrim où on est tous ensemble, ou même des D'accord. plages où on discute tout simplement, parce que parfois il faut juste échanger des idées ou régler des problèmes. Bien sûr. Et du coup, j'imagine que peut-être que tu sollicites beaucoup tes joueurs sur ce qui se passe dans la méta, sur leur poste particulièrement. Ça, d'une, déjà, ça crée, je pense, un dialogue avec eux, et de deux, ça peut donner des billes sur la méta, sur leur rôle spécifiquement. Est-ce que les joueurs, par exemple, ils te ramènent des idées sur voilà, des picks qui sont devenus super forts depuis le dernier patch, qu'il faudrait peut-être essayer en équipe ou ce genre de choses? Ça arrive souvent. Okay. Après, c'est un double échange, parce que moi, je regarde un peu plus de compètes qu'eux, je pense, et je suis un peu plus ce qui se passe à l'international. Eux, ils sont vraiment très centrés sur eux-mêmes. Mm-hmm. C'est pas un problème du tout. Hein. Oh, et sûr. Du coup, ce qui est bien, c'est que ça leur permet d'amener de la créativité. Donc, j'ai parfois des picks qu'on voit pas forcément qui pop comme ça, hein, comme on avait joué Kane il y a quelques mois alors que personne ne le jouait, tu vois, par exemple. Ça, c'était une initiative de mon joueur, tu vois. Il me dit, oh, je sens que là, je peux faire des trucs comme ça dans ce match-up et tout. Et ça s'est bien passé. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis assez ouvert. Et justement, par contre, quand je vois qu'il y a certains picks qui sont pas maîtrisés, moi, je les aide un peu et je les pousse à essayer de les travailler, parce que c'est quand même assez important pour un joueur qui se veut devenir professionnel d'être capable de s'adapter à ce qui se passe autour de lui. Ça serait un peu dommage de passer à côté de certains pics OP dans les drafts, on va dire. Ouais, c'est sûr. Ouais, je pense que niveau div 2, c'est là où vraiment tu commences à devoir avoir un niveau de mécanique sur tes, on va dire, ton top 5 champions va vraiment maîtriser aux petits oignons, quoi. Après, tout ce qui est macro game, etc., gestion line, peut-être que justement ça vient avec le travail en équipe, tout ce qui est rotation, etc. Je ne suis pas coach de div 2, mais j'imagine que c'est un petit peu plus comme ça. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Ok, ça marche. Bon bah, cool. d'ailleurs, tu parlais de scrim tout à l'heure, Kiki. Les scrims que tu organises, est-ce que c'est plutôt avec des équipes de div 2? Est-ce que c'est avec des équipes de div 1? Peut-être avec LDLC, on ne sait jamais vu que c'est l'équipe 1. Ou est-ce que tu vas chercher, comme à l'image d'autres coachs qu'on a pu interviewer, des équipes qui sont dans d'autres divisions, mais d'autres pays d'Europe? Ce qui se fait le plus, en général, c'est de scrim justement à l'européenne. Okay. Il y a des channels sur Skype, sur Discord, ou des contacts que tu peux avoir sur Twitter aussi. Et en gros, tu vas chercher les équipes un peu comme ça, et ça échange les OPGG, et puis ça book. Ça se fait pas trop de scrim inter-France. Je pense qu'il y a... De ce que je ressens, c'est qu'il y a un peu d'ego qui se met trop en jeu dans les games de scrim, et c'est pas souvent profitable l'exercice. D'accord. Les gens sont pas assez concentrés sur l'entraînement, ou un, tu vois, et... C'est vrai que l'ambiance est parfois moins bonne, même si ça pourrait être intéressant. Hein, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Et les scrims pour l'équipe 1, non, on n'en fait pas trop. Il y a vraiment, un niveau quand même assez différent. Mm-hmm. Et je pense que ça pourrait être très profitable pour eux, surtout dans cette période-là. On en avait parlé avec qui de ça? Je crois que c'était avec Supernova. Du coup, le coach des BTL, il nous avait dit que, effectivement, selon lui, entre LDLC et Tipeee Ace, vu qu'il y avait quand même un gros écart, hein, même si vous êtes top Div 2, ils sont top. LFL, donc il y a quand même un gros écart. Mais par exemple, pour MCS et Amazing, vu que MCS c'est bottom, LFL et Amazing c'est quand même top 3, Div 2, il y a peut-être plus de possibilités de faire ce genre de choses. Bon, on a demandé à Priest la semaine dernière, il s'avère que non. Mais ça aurait pu. Et c'est les Géos qui font des scrims entre Academy et Lineup 1. Ça, c'est cool, hein, je trouve. Enfin, ça peut être intéressant. Après, faut pas que ça devienne une corvée non plus pour l'équipe 1, tu vois, parce que sinon c'est désagréable. Mais ouais, c'est intéressant. Nous, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on, de temps en temps, on va scout un peu derrière nos joueurs pros, tu vois. On peut, ceux qui sont à côté, c'est ce qui est pratique, c'est qu'on peut se permettre, tu vois, si j'ai envie qu'un joueur, il s'inspire, parce que je pense qu'il a besoin d'avoir un petit peu le point de vue d'une autre personne, on peut prendre un peu comme rôle modèle, mais en direct, quoi, comme en physique, c'est vraiment très intéressant, tu vois. Ok, donc c'est vraiment de l'échange de joueur à joueur sur le même poste. Voilà, exactement. C'est un peu plus que ce que je
qu'on peut faire et qu'on fait un petit peu exceptionnellement, évidemment, on ne veut pas être non plus des boulets entre guillemets, mais on profite un peu de ce qui est autour de nous. Quoi. Non, mais bien sûr, tout l'environnement de la structure 1 forcément découle sur la structure numéro 2. Et je pense que c'est surtout très positif pour l'équipe qui évolue en division 2, c'est sûr. On était dans un contexte un petit peu de confinement, mon cher Kiki. Comment est-ce que toi, le confinement et le Covid, du coup, a infecté ton travail de coach? Est-ce que ça a beaucoup impacté ou pas? J'imagine que du coup, tu voyais plus tes joueurs, etc., qu'il y a dû avoir des règles mises en place dans le complexe avec tous les joueurs. Comment ça a changé un petit peu tout ça? Eh ben, du coup, pas de risque pour TPA et LDLC, tout le monde chez soi. Donc du coup on a dû se séparer, là, c'est un peu triste, hein. On a fait nos derniers jours avant la pause de Ligue 2, on a fait nos derniers jours aussi en online. Évidemment, c'est dommage, on avait une super salle, des super bons setups, et quand on revient chez nous, on a des moins bons setups, des moins bons internet aussi, ce qui est un peu... Donc on a eu des joueurs qui ont dû jouer en 4G pendant plus d'un mois, donc pas facile. Ok, hein. Avec des montées de ping inexpliquées. On a fait nos matchs en 4G là, je te dis c'était fun, hein. Mais bon, le Hello s'est senti un peu attaqué, quoi. Ok, donc ça c'était par rapport à tes joueurs, à l'environnement. Est-ce que toi ça a impacté ton travail de coach aussi? Ouais, parce que le fait, je pense qu'il manque le plus aux joueurs, c'est souvent un cadre, tu vois, pour les aider à être vraiment très carré. Tu vois, quand t'es chez toi, c'est trop facile de se laisser aller. Et t'as beau être de bonne volonté, si à un moment tu coules un petit peu sous le chill, c'est dur de remonter parfois, tu vois. Alors que quand t'es derrière, il faut souvent faire beaucoup d'efforts pour rattraper celui qui est devant. C'est là où c'est un peu vicieux, où tu peux te laisser aller. Et je pense que il y a beaucoup de joueurs qui peut-être n'arrivent pas à percer à cause de ça. Et là, quand tu es en physique, forcément, ça les aide de ouf parce qu'ils ont un cadre, c'est carré, il y a des temps off, il y a des temps on. C'est très bon, je trouve, pour l'esprit d'avoir cette structuration qui est un peu plus dure à mettre en place. Mais comme on l'avait mis en place avant le confinement, ça va, ça reste. Le seul truc qui disparaît pour moi en tant que coach, c'est le fait que je ne puisse pas parler à mes joueurs dans le blanc des yeux. Donc forcément, il y a des choses que je peux pas capter, tu vois. S'il y a un tilt ou un petit problème que je pourrais croiser en un regard, là, je peux pas avoir cette interaction. Donc, faut que c'est un peu à eux aussi d'être un peu plus open. Et heureusement qu'on a pu build la confiance avant. Comme ça, ça aide beaucoup. C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que voir ces joueurs régulièrement dans le complexe, ça doit quand même créer des liens solides. Et au niveau de la cohésion d'équipe, ça doit vachement se ressentir, je pense. Donc là, le confinement est terminé. Donc, vous allez revenir au complexe. Comment ça va se passer? Non, ils sont très prudents. Vu tout le monde est encore confiné. Ok, ça marche. Ouais, les activités sportives sont encore suspendues, donc pour l'instant ils veulent pas réouvrir. Ils veulent réouvrir tout en même temps ou pas du tout. Donc pour l'instant, je pense qu'on va rester en comme ça et on sait pas trop quand est-ce que ça va reprendre, si ça reprend ou pas. Voilà. Ok, ça marche. Bah, le temps nous le dira. Du coup là, split 1 de division 2 terminé. Comme on l'a dit, vous avez fini deuxième, donc juste derrière les BTL et devant les Amazing. Bravo. Bravo, merci. Oui, c'est déjà belle perf. Est-ce que c'était l'objectif de faire un top 2 ou est-ce que vous visiez le top 1? Voilà, comment est-ce que vous voyez le résultat? On vise le top 1, mais à la fin, tu vois. Après le split 2, du coup. Voilà, vraiment, à la fin de la saison, c'était plus ça l'objectif. Pas vraiment d'objectif de mi-saison. Hein, l'objectif pour les joueurs, il est outre la Ligue 2, c'est vraiment chercher la professionnalisation. Donc, leur ennemi, c'est vraiment eux-mêmes, tu vois. Je pense que les résultats, ils viennent après le travail. Donc, leur focus, c'est vraiment le travail. Et tant mieux si on fait des résultats. Si les résultats ne sont pas au point parce que les autres sont meilleurs que nous, on travaillera encore plus. Mais on ne s'est pas vraiment mis de pression. Évidemment, on veut être premier, mais ce n'est pas vraiment non plus la grande pression autour de ça. Mais c'est toujours une petite victoire, quoi. Ok. Quelle est actuellement, de ce que vous avez vu du split 1, l'équipe qui vous a, on va dire, le plus dérangé sur ce premier split? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais Lunari, on n'arrive pas. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. On a perdu deux fois contre Lunari. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle. On a perdu contre Lunari aussi. Donc, on n'a jamais battu Lunari, en fait, tout simplement. Il y a un truc. Et on va pas te poser la question, pourquoi t'as déjà répondu? On ne sait pas pourquoi, justement. Ouais, c'est vraiment aucune idée, quoi. C'est notre bête noire, d'une certaine manière. Quand on joue contre Lunari, il y a toujours on perd un petit peu nos moyens, un moment dans la partie, et hop, on perd la game. Après, il me semble que les Lunari, c'est peut-être ceux qui ont sorti les champions les plus atypiques de tout le split. Peut-être c'est ça. Ils jouent avec moins de peur que les autres, peut-être. Donc, je sais pas, imprévisible ou juste peut-être... je sais pas, la pression de eux du stream. Ou je sais pas, peut-être qu'il y a plus de viewers ou... des gens un peu plus connus, je sais pas. C'est sûr que quand Solari ou Lunari stream, il y a un peu plus de viewers. Ouais, c'est peut-être quelque chose comme ça, je sais pas trop. J'ai du mal à cerner, justement.
Il peut y avoir aussi le cas des deux games. Qu'est-ce qu'il y a, elle arrive ? On peut aussi avoir juste deux games, genre il y en a une qui se passe mal et l'autre qui se passe mal. Ça arrive, le pas de bol, c'est sur deux parties. On peut encore mettre ça sur le pas de bol. Quand il y en aura 10. Oui, il y aura sûrement des tendances. On aura trouvé la tendance. Ouais, c'est vrai. Ok, ça marche. Donc la bête noire des TPA, c'est Lunari. Intéressant. Du coup, les ambitions de TPAA pour la suite, tu nous as dit, hein, c'est de faire un top 1 après le split 2. Et les ambitions pour les joueurs et pour toi en tant que coach, est-ce que vous en avez parlé aussi ensemble? J'imagine que, vu l'exemple de Veto qui monte en équipe 1, j'imagine qu'il y a d'autres joueurs qui ont envie de suivre le même chemin. Exactement, l'ambition c'est de la professionner. Oh là, je ne sais pas dire ce mot. C'est de passer en Ligue 1, évidemment. bien joué, bien contourné. bien joué. Et donc voilà, c'est leur rêve, hein, parce que là ils sont en format internat, école, ils passent leur bac la plupart, donc okay. Évidemment c'est un rythme un peu différent. Mais déjà c'est génial d'avoir cette structuration, cet environnement, tu passes le bac et en même temps tu es en div 2 de LOL et tu as tous les outils pour progresser et t'élever un petit peu, c'est franchement super. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas tué pour avoir ça à l'époque? C'est pour ça que je suis là. J'aurais probablement tué à l'époque. J'aurais bien rejoint. Ah ouais, tu m'étonnes. Il y a 12 ans. Oh là là, il y a 6 ans. Oh là là. Ah, j'ai pris le début de seconde. Hein. Ah, ok. Je suis pas si vieux que ça. Temps, c'est cool. Bah là, ouais. Ouais, bah c'est cool. Hein. Bah, même VTO, il était toujours scolarisé hein, pendant les années master, donc pas facile. Hein. J'imagine. Et du coup, toi, tes ambitions en tant que coach, c'est vraiment prouver, peut-être, hein, je m'avance peut-être, prouver à LDLC que t'es un bon coach pour essayer de trouver ta place sur l'équipe 1, ou est-ce que tu as complètement d'autres idées derrière la tête? Cette année-là de formateur un petit peu est vraiment très intéressante parce que c'est un domaine un peu que j'ai pas trop exploré parce que je suis coach mais en même temps un peu prof, tu vois. Mm-hmm. C'est un peu étrange comme casquette que j'avais jamais eue, tu vois. Donc c'est pas très loin hein, le domaine hein, dans la pédagogie, mais c'est quelque chose de nouveau. L'objectif pour les joueurs, donc être pro, et pour moi, pareil, toujours essayer de me challenger et de monter. Moi, je me vois bien essayer de, justement, peut-être être coach de la team 1 l'année prochaine, je ne sais pas. On verra ce qui peut se faire. Mais ouais, je veux toujours monter plus haut, gagner les Worlds, pourquoi pas. Allez, let's go. Il faut pas avoir de petites ambitions, c'est sûr. Apprends le chinois. Apprends le chinois. Dis ça en rigolant, mais tu sais que je m'y suis mis un tout petit peu et je me demande si c'est pas vraiment un bon plan hein, de le faire, hein, parce que ça semble une possibilité intéressante. Si tu deviens bon, que tu veux t'expat, t'as deux langues à aller chercher, c'est l'anglais et le chinois. L'anglais parce que ça t'ouvre absolument tout ce qui n'est pas Chine, Corée et Asie en général, et le chinois parce qu'a priori, ils sont partis pour être très bons e-sporteurs. Ouais, c'est vrai que ça marche bien pour eux. Oui, depuis un moment d'ailleurs. Ok, ça marche. J'avais une autre question que j'avais pas noté qui m'était venue, elle est repartie, mince. Peut-être que je la retrouverai. J'avais une autre question, c'est par rapport à voilà tout ce métier de tout ce travail de coaching que tu fais. C'est bon, elle est revenue, je l'ai retrouvée la question. Yes. Bien joué. Du coup, ouais, parce que tu nous disais que tu étais tout seul un petit peu à faire le staff, hein, coach, analyste, etc. Si tu avais, on va dire, une baguette magique et un vœu à faire. Bon, c'est un petit peu contraire. Bon, on va dire une petite lampe, là, tu frottes dessus, il y a un mage qui sort, là, un djinn, et il te propose un vœu, et tu peux choisir n'importe quel rôle que tu veux, quelqu'un qui vient t'aider dans ton équipe, tu choisis quoi. Je pense que je prendrais un analyste, dans le sens où, pour le coaching, c'est bien, je trouve, d'être très objectif. Mm-hmm. Et du coup, moi, je suis plus dans le relationnel en tant que coach. Je parle beaucoup aux joueurs et tout ça. Tu vois, je suis vraiment très lié avec eux pour essayer de bien sonder la situation. Et avoir plus de données vraiment objectives, ça pourrait me permettre d'appuyer plus le coaching, tu vois, avant essayer de traquer un peu plus de stats. Donc, peut-être en automatisant ou essayer de trouver un peu plus les champions forts, mais avec des arguments, tu vois, vraiment objectifs, pas que du feeling ou en mode ah, ils ont gagné avec, tu vois. Tu vois, et ça serait vraiment bien. Et justement, ça pourrait aussi donner un peu plus de goût peut-être aux joueurs aussi d'avoir cette vision-là, parce que c'est pareil, c'est très subjectif. Hein. J'ai gagné ma game, je suis meilleur. J'ai perdu ma game, je suis plus nul. Tu vois. Et je pense que c'est un peu réducteur. Et pour la performance, l'objectivité est très bonne pour une équipe et un individu. C'est sûr.
Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, c'était la stratégie. Alors, c'était l'année dernière avec les top laners qui jouaient l'âme du voleur de sort et qui farmaient que tant de sbires sur tant de waves. Ouais. Bah, ça vient des analystes en fait. Et la strat, elle a été abusée un petit moment avant que Riot rééquilibre ça. Donc, même au-delà de trouver vraiment les stratégies opti, des fois ça peut trouver des petites failles, les analystes, dans la méta. Et c'est toujours très sympa quand ça sort de terre. Les larrivas, c'est de quoi je parle. Ouais, sauf quand ils ne mettent pas dans les patch notes. Oui, j'ai trop de questions pour toi. On a quelque chose qu'on affectionne, les larrivas et moi, c'est la stratégie funneling. Ok. Pour ou contre? On sait que... Voilà, déjà pour ou contre? Moi, j'aime pas trop, non. Ok. Bon, on a pas mal de personnes qui disent qu'elles sont pas trop pour, mais on fait ça en normal et ça nous amuse de temps en temps. Mais c'est une stratégie qui avait été vraiment viable à une époque et elle était pas mal nerf par Riot parce que tout simplement c'est un petit peu de l'abus du jeu tout simplement. Et les Larrivas a essayé, c'était il y a quelques jours, de sortir un Jarvan bot avec Smite. Nous ne reviendrons pas là-dessus. Mais du coup, il s'est rendu compte que effectivement la funneling a été nerf encore plus et que ça n'était noté dans aucun patch note. Ah, moi j'en ai eu vent, hein. J'ai vu, il y a eu des réductions sur le fait que t'es un smite, des réductions sur les items support, ils ont fait masse truc. Mais c'est encore jouable, mais c'est pas très efficient. Hein. En fait, avant c'était à partir de 14 minutes, en fait tu gagnais vraiment les gold des sbires après avoir complété ton item jungle à 100%. Maintenant faut attendre les 20 minutes de jeu, donc les sbires te rapportent entre 1 et 8 PO, ce qui est dérisoire. Et 50% de l'XP. Et 5 ans, toujours plus. Faut savoir qu'on a été des très grands joueurs de funnel en 3v3. Donc, les timings, on les connaît par cœur. On a subi les nerfs de la 5v5 sur la 3v3, où il a fallu adapter les pics, la méta, la manière de jouer de manière à. Les timings, c'était insane. À tout gérer. Mais donc là, on savait pas qu'en fait, c'était passé de 14 à 20 minutes le debuff. Et ça, c'est pas marqué sur l'item, part, pas dans les patchs. Dans l'item, quand tu vas chercher dans le data mining. C'est assez rigolo. Punaise, ok. Voilà. Et du coup, j'avais une autre question, complètement en dehors de l'esprit funneling, c'était la petite parenthèse. Mais on pose une question souvent au coach qu'on reçoit sur l'accent e-sport par rapport au scrim. Du coup, tu nous as dit que tu allais chercher des scrims chez d'autres équipes européennes. On a certains coachs qui nous ont parlé aussi de faire de la flex queue pour travailler tout ce qui est cohésion d'équipe, etc. Et il y en a également qui font des scrims en ARAM pour travailler l'aspect plutôt teamfight, mais du coup sur la map ARAM, c'est pas en ARAM, mais vraiment ils choisissent leur personnage pour teamfight. Qu'est-ce que tu penses de ces autres formats d'entraînement? Une question piège, ça. Non, je suis pas très fan. En warm-up peut-être, mais pour l'entraînement, je préfère toujours faire un scrim, quitte à prendre un scrim peut-être un peu plus simple, entre guillemets, s'il y a besoin d'entraîner des choses un peu plus complexes qui demandent plus d'attention et qui vont forcément sentir sur le niveau de jeu. Je suis pas trop fan de forcer trop les stratégies, même si je sais que c'est un bon moyen d'apprentissage. Je préfère que les joueurs s'adaptent quand même au chaos environnant et qu'ils jouent toujours contre des gens assez puissants, justement parce que je veux pas qu'ils s'autorisent à baisser leur niveau mécanique pour focus trop sur leur niveau mental, tu vois. Je veux qu'ils arrivent toujours à trouver la balance et qu'ils soient pas tout le temps un coup à gauche, un coup à droite, à jongler sur deux pieds. Okay. Je pense que c'est un peu déstabilisant et que ça te prend beaucoup de temps. Qui est précieux, je suis pas très fan. Je préfère vraiment scrim en mode tryhard, même si après on va peut-être forcer quelques stratégies et que du coup, justement, la game va être plus difficile, il faut réussir à surmonter ça, quoi. D'accord, ok, ça marche. Il n'y avait pas de piège dans ma question, c'était juste par simple curiosité. Ça nous était remonté la première fois par le SC Nantes qui nous parlait de la flex queue, et ensuite Supernova nous a parlé des ARAM. C'est fou ça. Du coup, je trouvais ça très intéressant. Il y en a qui disent... Alors, effectivement, je crois qu'il n'y a que le FC Nantes qui fait ce genre de scrim. Enfin, du coup, c'est pas des scrims, c'est juste de la flex queue. Mais travailler les teamfights sur la map ARAM, je trouvais ça, pour le coup, intéressant. Je dois dire que je n'y avais pas du tout pensé. C'est pour ça que je me permettais de te poser la question. Et pour la flex, il donnait le même argumentoire en disant qu'en flex, le chaos ambiant était encore pire. Puisqu'il allait absolument partout dans les compos, dans le level des gens, et qu'il fallait réussir en toutes circonstances à s'en sortir.
C'était... Il avait un autre argument d'ailleurs, c'était, donc c'est, on l'a interviewé beaucoup plus tôt, hein, Percaster et The Sage, d'ailleurs ils étaient avec leur midlaner Kopuma, et ils disaient que c'était également pour travailler la communication dans l'équipe, parce qu'ils trouvaient que la principale différence en Div 2, entre une bonne équipe et une équipe qui était plutôt bas de tableau, c'était la communication au sein de l'équipe, donc ça leur permettait aussi de travailler ça, et de pas passer leur temps à trouver des scripts. Voilà, c'était okay. un autre point. Ouais, c'est okay. sûr que c'est plus facile en termes d'organisation. Bah, c'est sûr. Allez, les gars, vous mettez dans le même salon et vous appuyez sur jouer. Et on attend 30 minutes. C'est ça. Parce que oui, pour le coup, du top diamant, ça va chercher hein, un petit peu. Ok, j'avais d'autres questions, plus du coup sur l'aspect coaching. Est-ce que toi, tu as des personnes référentes ou des ouvrages, voilà, des personnes qui t'ont inspiré pour faire ce métier de coach? Moi, l'équipe qui m'avait fait rêver avant, là, c'était plutôt SKT. Et donc, du coup, c'était le coach Coma dans les années 2016-2017. Okay. Il y a même eu un reportage, je crois, qui durait comme 50 minutes sur lui, qui était vraiment très... Trois fois, du coup. Vraiment, j'ai bien aimé le... Il y a eu un reportage, hein. Je pense qu'on peut le trouver. Il doit être sur YouTube. Je ne sais pas exactement le nom. Et sinon, plutôt des livres. Il y a deux livres que je recommande. Il y a un livre qui aide un peu pour le team building ou le building d'un environnement. Ça s'appelle You Win the Locker Room First. You Win the Locker Room First. Je ne sais pas. Okay. Tu tapes ça sur Google, tu dois voir. Okay. Et un autre livre qui s'appelle The Art of Learning. Ça, c'est plus sur l'individualité. Donc, je recommande souvent aux joueurs. D'accord. C'est un joueur d'échecs qui a fait aussi des sports de combat, qui raconte un peu sa vie et sa manière... d'appréhender l'apprentissage, justement. Donc, c'est assez intéressant comme témoignage. Okay. La petite parenthèse, je vois Hathor qui répond, je pense que c'était par rapport au scrim, par rapport aux Aram et au Flex Q, Hathor qui répond, c'est peut-être la clé pour battre Lunari. Ah ouais, écoute, hein, on sait jamais. ok, ça marche pour les références. Et du coup, j'imagine que, bon... Le travail de coaching, ça prend beaucoup de temps. Les joueurs, on leur dit souvent que des fois, il faut réussir à relâcher la pression pour pouvoir revenir un peu plus fort, avoir des temps de pause. Toi, qu'est-ce que tu fais en dehors, voilà, quand tu n'as pas ta casquette de coach? Comment est-ce que tu occupes un petit peu ton temps libre pour décompresser? Ok. Bah nous, déjà pour l'organisation de l'équipe, on essaye un peu de faire comme des vacances scolaires pour avoir des petits temps off. Ah, ok, ça marche. Donc, j'aime bien prendre une semaine ou deux, ça dépend de notre planning où on stoppe pour que tout le monde remette les choses en perspective et revienne vraiment à fond. Mm-hmm. Et ça marche vraiment parce que j'ai vraiment senti la différence. Et donc, personnellement, j'applique aussi cette méthode. Généralement, j'essaye au moins avoir un jour ou une demi-journée où je fais vraiment pas grand-chose pour essayer d'être un peu plus tranquille. Mm-hmm. Comme occupation, bah, en ce moment, vu qu'on est en confinement, je me suis pris un petit jeu, là, ça s'appelle Monster Hunter. Vraiment très, très fun. Un petit jeu, ouais. Il a l'air assez big quand même pour un petit jeu. Mais... Juste à côté, il joue à Animal Crossing. Ah, j'avais fait un petit peu d'Animal Crossing, mais là, j'ai un peu lâché. Puis il a Start WoW aussi, histoire de ne pas être trop occupé. Oh là là, ça commence à faire beaucoup de... Là, oui, c'est un petit jeu, quoi. Voilà. Et sinon, quand on n'est pas trop confiné, moi, j'aime bien la moto. Oh, nice. T'as quoi comme moto? J'ai une ER6. Ok, ouais, beau modèle, j'aime bien. Merci. Mais l'arrivée est en train de checker. Kawasaki. Il va envoyer une image sur. Comment il sait? Sur le live, c'est sûr. Comment il sait? Non, elle est belle, hein, et sur fond noir et tout et tout. Hein, là, c'est presque une pub. D'ailleurs, s'il vous plaît. Non, bah, les sponsors de moto, c'est pas pour nous, clairement. Non, je pense qu'on n'est pas sur ce sur ce créneau. Mais ok, on y pensera. j'ai une dernière question pour toi avant de te la poser. Est-ce que Léla Rivat, on a quelques-unes pour notre cher Kiki? Non, tu m'as volé la question du funnel et la question des ouvrages qui l'intéressent. J'ai aussi, je voulais la poser aussi. J'ai pas beaucoup d'autres questions. Moi, je suis très content de t'avoir écouté parler du campus TPAE parce que je trouve que c'est une très 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 belle initiative. Et que ça me fait plaisir de voir que même au niveau de l'apprentissage, on commence à arriver avec des cursus scolaires qui tendent vers l'e-sport. Chose qui était déjà il y a 3 ans totalement absent, où on lançait les premières écoles d'e-sport qui n'étaient même pas vraiment aussi complètes que ce que tu me vends chez TPA.
Donc merci. Ouais, le but c'est vraiment de rester dans le vrai cursus scolaire entre guillemets officiel quoi. C'est pas un cursus à part, c'est en mode sport études, ouais, exactement. C'est vraiment ça la ressemblance la plus proche. Ils sont forts les sport études à la fin. Hein. Ouais, clairement. C'est des machines quoi, tu les formes pour être les plus forts, quoi, tout simplement. Exactement. Du coup, j'ai une question qui m'est venue et on n'a pas du tout, que très peu parlé de WIG. Du coup, tu as des coachs à WIG, Women in Games, donc, qui œuvrent, on va dire, pour la parité dans l'e-sport, si je résume bien, ça doit être ça. Ouais, mixité, ouais, c'est plutôt un terme, pas forcément parité, mais ouais, mixité, histoire qu'on puisse se permettre de mélanger. Donc, le projet, j'ai rejoint depuis janvier. Et le projet, c'est simple, hein, on a un coach, un élève, bon, il y a plusieurs coachs et plusieurs élèves. Et moi, j'ai vu, il y a Glopo, il y a Asha, justement. Et Moon. Voilà, 4 coachs, 4 élèves. Et du coup, le but, c'est juste, grâce au coaching, de donner un petit coup de boost à des joueuses pour qu'elles puissent se développer sur LoL, comme elles l'entendent, évidemment, dans un but de rejoindre des équipes mixtes, au possible, évidemment. Okay. Chez Gamer. Il y a Gamer, effectivement, qui est un petit peu sur le même créneau. Voilà, donc c'est assez cool hein, comme projet. J'avais suivi, j'avais déjà fait une édition l'année dernière. Et moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose et ça permet des choses. Et peut-être que ça va donner aussi à du coup, peut-être des joueuses de jouer un peu plus et de venir chez TPA, peut-être l'année prochaine, je sais pas. Ok, du coup, j'allais te poser ma dernière question, mais Priest m'a pris de vitesse et il en a une, du coup, il l'a mise sur le chat Cast and Play. Il dit, moi, j'ai une question, vu que tu as fait, du coup, plusieurs splits à l'international, quelle différence majeure est-ce que tu vois en termes de mentalité entre les franchises et les autres? Très bonne question, Priest. Trash talk autorisé. Une différence, je sais pas. Comment expliquer ? En Italie, c'était assez similaire à la France, je trouve. C'était assez, assez sanguin, assez à chaud, tu vois. Après, peut-être que c'était juste mes joueurs, tu vois, je sais pas. Mm-hmm. Mais ouais, il y a peut-être une petite tendance à être un peu plus... un petit peu plus calme et posé, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être juste au hasard, tu vois, des équipes que j'ai eues. Et ouais. Après, là, en France, ça a l'air aussi de plutôt évoluer dans le bon sens, hein. Il y a un petit peu d'égo, mais ça va, quoi. Je pense qu'il y en aura toujours un petit peu. Sincèrement. Aussi, c'est un moteur, mais... Est-ce que tes joueurs, quand tu étais dans les autres structures, ils avaient tous à peu près le même âge, la même moyenne d'âge dans l'équipe, ou est-ce que ça variait vraiment? Dans toutes les équipes que j'ai faites, c'était plutôt jeune. Hein. C'était vraiment toujours entre 18 et 21, quelque chose comme ça. Hein. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Et bah parfait, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je vais du coup terminer, elle arrive, ça y est, pour un prochain Accent e-sport, qui est-ce que tu aimerais voir à ta place dans la partie interview et pourquoi? Je pense que ça serait intéressant, justement là j'en ai parlé brièvement, mais peut-être d'avoir le coach Moon, je sais pas si vous recevez, parce que je pense que c'est un peu intéressant, je pense, d'avoir des rôles modèles féminins, justement, dans la continuité de ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout à fait. Et je l'ai connu, justement, quand j'en parlais sur les premières fois où j'ai travaillé avec Solari, on était dans le même groupe, et depuis, on a fait chacun notre vie de notre côté, mais on a toujours continué dans l'e-sport, et je pense que ça serait intéressant, je suis assez curieux de savoir tout ce qu'elle a travaillé, sur quoi elle travaille en ce moment, et je pense que ça peut intéresser d'autres personnes, donc voilà. Ok, et bah écoute, moi c'est noté de mon côté, je contacterai Moon à voir si elle sera dispo. Et du coup, merci beaucoup Kiki pour être venu hein, sur l'Accent e-sport pour qu'on puisse t'interviewer, te poser toutes ces questions. J'en ai appris beaucoup et ça m'a fait très plaisir de pouvoir te poser toutes ces questions et discuter avec toi d'un peu tous ces sujets. Merci également à la rédaction des AA, bien entendu, à nos chers viewers qui ont posé pas mal de questions et qui ont été... très, on va dire, haletant dans le chat. C'est très sympa de vous voir. Merci, Léla Riva, encore une fois, pour la réal. T'es vraiment trop fort. Et nous, on va du coup pouvoir vous laisser là. On vous dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de l'Accent e-sport. D'ici là, bah, reposez-vous, mettez-vous bien. C'est la fin du confinement, donc allez prendre un petit peu l'air. Attention, geste barrière à garder en tête, bien entendu. Et on vous fait des bisous. À travers l'écran, il n'y a pas de risque. Salut tout le monde. Salut les amis. À plus.